sa violetta que nous allons parler ce soir, puisque sa violetta est une sorte de rêve forgé il y a de cela bientôt 4 siècles par un homme qui se sentait le pouvoir de jouer Apollon et Dieu le Père à la fois dans une région jusqu'alors désertique, en y créant quelque chose qui était pour lui Athènes un petit peu, le paradis un petit peu, autrement dit l'utopie. Pour vous parler de ce bien-être, naturellement, il faut que je vous parle d'abord de celui qui l'a créé. Cet homme-là s'appelle Vespasiano Gonzaga. Il est donc l'un des représentants de cette famille Gonzaga dont nous avons eu de semaine en semaine nombreuses occasions de parler. Mais il faut que je vous précise un peu la nature du personnage, la place du personnage dans la famille aussi, parce que c'est un personnage exceptionnel qui a créé une œuvre exceptionnelle. Comme il est moins connu que d'autres Gonzaga, Ludovic par exemple, je crois qu'il mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Alors, Vespasiano Gonzaga, d'abord pris, disons, dans l'héraldisme de sa famille, appartient bien entendu aux Gonzaga, ça va de soi. Mais les Gonzaga sont comme toutes ces grandes familles, non seulement italiennes, mais disons de partout dans le monde, ils ont des branches majeures, cadettes, germaines, et on se perd. Vespasiano Gonzaga est de la branche cadette. En fait, il descend d'un personnage que vous connaissez, puisqu'on en a parlé pendant presque toute une soirée. Vous vous souvenez peut-être du profil de lézard du marquis Ludovic Gonzaga, tel que Andrea Mantegna l'a immortalisé dans la chambre des époux du palais ducal de Mantoue. Et bien en fait, toute l'histoire de Vespasien commence avec Ludovic Gonzaga. Ludovic Gonzaga et sa solide épouse Barbara de Hohenstaufen ont eu une kyrielle d'enfants. Mantegna les Antins, vous vous souvenez, presque en ordre dégressif depuis le premier grand Alessandro au regard vide jusqu'au petit dernier Paolo qui est mort à l'âge de 8 ans. Mantegna donc les Antins tous, garçons et filles. Mais c'est dans le partage de la dynastie à la mort du marquis Ludovic entre les différents fils que sont nés ces branches cadettes et germaines qui vont se partager le nord de l'Italie. Le dernier des fils vivants, si vous préférez, le dernier des fils à vivre, du marquis Ludovic Gonzaga, s'appelait Gianfrancesco Gonzaga. Il est d'ailleurs dans la chambre des époux, c'est un adolescent vaguement boutonneux avec les pieds en dents, mais je crois 15 ans quand il n'y a pas. Gianfrancesco Gonzaga, donc, a été doté comme cadet de famille, c'est-à-dire il n'a pas eu droit, bien sûr, au marquisat. Il a reçu le titre de comte de Rodigo, seigneur de Sabionetta et Pozzolo. Donc, un comté en tant que représentant de cette branche cadette de la maison de Gonzague. Et c'est lui, ce Gianfrancesco, qui va créer la branche des Gonzague de Sabionetta, dont Vespasien descend. Gianfrancesco Gonzague, fils de Ludovic Gonzague, a été père à son tour, c'est une évidence. Il a eu un fils, Ludovic, pour tout simplifier, Ludovic Gonzague, comte de Rodigo, seigneur de Sabionetta et Pozzolo. Eh bien, ce Ludovic Gonzague ne laisse aucune trace dans l'histoire, sinon qu'il a épousé la fille du duc de Gênes. Heureusement, ça lui a permis d'avoir un fils à son tour, 4e génération. Celui-là s'appelle Luigi Gonzague, et celui-là, peut-être vous le connaissez si vous êtes un peu penché sur l'histoire de la Renaissance et du maniérisme en Italie. Car Luigi Gonzaga, c'est celui qu'on appelle Rodomonte, le Rodomont, un des plus extraordinaires hommes d'armes et spadassins de l'histoire de son temps. Son heure de gloire a été le sac de Rome en 1527, et je vous rappelle que le pape lui doit la vie, d'où la gloire de cette branche de Sabionetta, grâce à Luigi Gonzaga Rodomont. Et Luigi Gonzaga Rodomont a eu un fils qu'il a appelé Vespasiano, c'est le nôtre, et c'est là qu'on commence l'histoire du prince de Sabionetta. Je vous signale simplement que Sabionetta, jusqu'alors, à travers les règnes successifs de Gianfrancesco, Ludovico de Luigi, Sabionetta c'est un petit village de rien du tout, c'est une seigneurie, mais c'est une seigneurie pour finir la ligne dans les actes notariés, voyez-vous, c'est un hameau, c'est rien. Sabionetta va devenir une des villes les plus extraordinaires de son temps grâce à ce Vespasien qui voit le jour le 6 décembre 1531, naissance de Vespasien Gonzague, fils de Luigi Gonzague, petit-fils du Ludovic Gonzague, petit-petit-fils de Gianfrancesco Gonzague, petit-petit-petit-fils de ce Ludovic Messer.
6 décembre 1531 commence l'une des histoires les plus étonnantes de la Renaissance. On a fait des films, on a écrit des bouquins, on a pu finir sur les grandes figures du 15e et 16e siècle. Il y a Isabelle d'Este, immortelle, il y a des Lucrèce Borgia, on a pu finir, même avec Belline Daly, si je me souviens bien, les émois de mes 14 ans. Il y a plein de choses immortelles et je m'étonnerai toujours qu'on n'ait pas encore trouvé un Charlton Heston qui puisse faire un Vespasien Mozart. Car il y aurait là la trame et d'un livre et d'un film fabuleux à retourner les sangs dans les chaumières qui véritablement est exemplaire. C'est une vie tellement renaissance, ou si vous préférez, c'est une vie tellement maniériste au sens le plus propre du terme que je tiens non pas à vous la raconter dans le détail, mais à vous la raconter. Et disons dans les grandes lignes, parce que vous allez voir ce Vespasien allié à toute l'Europe a vraiment une vie curieuse. Première des choses, son père est mort 7 jours après sa naissance. Deuxième des choses, sa mère s'est remariée 1 mois après sa naissance. C'est déjà pas mal. Seul dans un petit berceau, le jeune Vespasien vieillissant a été confié à des parents. Et comme toujours, vous savez, il y a toujours une tante quelque part. Cherchez la zia et vous comprendrez tout. Alors la zia en question, c'est la zia Giulia Gonzague, qui recueille le petit et l'élève d'abord à Fondi, dans un petit château, puis à Naples, où elle est en service. Giulia Gonzague a laissé une trace extrêmement importante dans l'histoire de la culture de son temps, car elle était l'une des plus effroyables, l'une des plus redoutables et l'une des plus efficaces humanistes qui soit. Poétesse, grammairienne, rhétoricienne, j'en passe des meilleurs, elle était l'idéal de ce qu'on appellera quelques siècles plus tard le bas bleu. Toujours est-il que Giulia Gonzaga, avec beaucoup d'acharnement, sinon de génie, a su donner à ce neveu une éducation hors pair et une culture hors pair. C'est important, vous verrez pourquoi. Puis, lorsqu'il a grandi en force et en beauté et qu'il est arrivé à l'adolescence, il a fallu placer un Gonzague, ça se met pas n'importe où, même s'il n'a plus de papa et plus de maman. Donc, il faut le bien placer. Giulia Gonzague, avec une ténacité digne d'éloge, a réussi à en faire un page à la cour de Charles Quint. Et là se dessine tout le profil de la vie de Vespasien Gonzague. Ce sera une vie plus espagnole et plus impériale, si vous le voulez, que italienne à proprement parler. Page à la cour de Charles Quint et bientôt compagnon servant de l'infant d'Espagne, Philippe, le futur Philippe II, au château de Valladolid. C'est là qu'on s'est forgé de l'adolescence à l'âge mûr, la nature de Vespasien Gonzague, c'est-à-dire une nature d'Espagnol, je répète, plus que d'Italien. Et au XVIe siècle, vous savez ce que ça veut dire. Un tempérament de feu, une rigueur d'acier, une intransigeance de béton, même si le béton n'avait pas encore été inventé. Cet homme tranchera toujours sur ses cousins italiens par cet aspect ibérique, si vous le voulez, qui sera le sien. 1541, c'est son premier mariage, et je vous signale d'ores et déjà qu'il en aura 3. En 1549, il épouse une jeune femme ravissante d'ailleurs, qui s'appelle Diana di Cardona, c'est une italienne, mal-née, si mal-née d'ailleurs que le mariage est secret, mais très joli, ma foi. À peine marié à cette créature ravissante, il commence son métier. Son métier, c'est celui de tous les cadets de famille, c'est les armes. On va s'illustrer dans les armes. Alors on le retrouve guerroyant au Piémont, on le retrouve guerroyant aux portes de Parme, on le retrouve à la bataille de Volpiano, on le retrouve, bref, conquérant partout, l'orgueil, gloire et triomphe, jusqu'au moment où, après le premier bonheur qui a été le premier mariage, c'est le premier drame. Il y a eu 3 mariages, il y aura 3 drames, vous voyez le film que ça composerait. Le premier drame est une simplicité renaissante. Ayant découvert qu'il était un mari trompé, il a surpris sa femme et son amant. Il a étranglé sa femme et enferré son amant, doublement meurtrier, à moins de 30 ans. Avec un cynisme digne de son temps, il écrira à Zia Giulia qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui son épouse Diana. Point à la ligne. L'Italie complète a compris
cette époque-là, le privilège des princes est au moins de pouvoir disposer de la vie de leurs épouses. Pour oublier tout cela, il quitte l'Italie où il s'était temporairement fixé pour ses guerres et il repart pour l'Espagne. Ça n'est plus l'Espagne de Charles Quint, c'est l'Espagne de Philippe II. Et de nouveau, les guerres reprennent. On le retrouve à Valence, on le retrouve à Carthagène, où d'ailleurs on lui doit les fortifications. Si une fois vous passez à Carthagène, vous voyez ce petit huitième de fortifications qui reste, sachez qu'elles ont été dessinées, conçues et réalisées par Vespasien Gonzague. On le retrouve même au siège de Pamplonne, et donc, après Parme, etc., etc., dans cette Espagne-là, il conquiert de nouvelles gloires, de nouveaux lauriers et de nouveaux triomphes. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Il se remarie, deuxième mariage, 1554. Il épouse cette fois-ci quelqu'un de digne de lui. Je vous rappelle qu'il est d'une très grande famille. Je vous rappelle qu'il est d'une très grande bravoure et d'un très grand courage. Je vous rappelle surtout qu'il est très proche du roi. Alors le roi lui offre sa propre cousine. Il épouse Anne d'Aragon, cousine directe de Philippe II. Il épouse à Valence, d'ailleurs, dans un mariage qui laissera dans la chronique des traces de splendeur inoubliables. Il aura d'Anne d'Aragon deux enfants, une fille d'abord qui s'appellera Isabelle et un fils qui s'appellera Luigi. Tout va si bien que pour que la trame romanesque soit parfaite, il faut que tout aille si mal. Après le deuxième mariage, le deuxième drame est rapide d'ailleurs, et il a pour héroïne sa deuxième femme, comme par hasard. Cette fois-ci, ça ne sera pas un assassinat direct, mais un assassinat indirect, mais involontaire. Anne d'Aragon, nature fragile, nature certainement très atteinte dans son atavisme, Anne d'Aragon ne supportera pas de voir son époux partir sans cesse ailleurs. Elle ne supportera pas la solitude et elle deviendra, c'est si simple comme diagnostic à l'époque, folle. Et atteinte d'une folie extrêmement grave, dit-on, elle devra être enfermée au château de Rivarolo Fuori, où elle mourra moins d'une année plus tard. Deuxième drame qui brise pour la deuxième fois Vespasien Gonzague, et je pense que vous connaissez le schéma d'un prince, la guerre, ça vous connaîtra de tout, et il repart donc en guerre et en campagne. Je vous passe, si vous permettez, les guerres et les campagnes, les lieux et les sièges, les pillages et d'autres. Sachez simplement que son mérite se rappelle sur ses champs de bataille, que l'empereur Maximilien le nomme prince en 1574 et que Rodolphe II le fait duc en 1577. Donc une carrière qui ne cesse de monter jusqu'à ce fait de gloire, de dédoubler à ses titres atavique du duc, héréditaire du duc, les titres de prince et duc d'Empire. Vraiment une merveilleuse carrière. Et cette carrière-là est si haut, si vous le voulez, si arrivée si haut, qu'avec une sagesse toute renaissante, il décide d'abandonner. Et en 1578, une année après avoir été couvert d'honneur, donc, il renonce aux armes et rentre dans son petit village de Sabionetta. Le reste de la vie de Vespasien, ce sera en fait de créer cette Athènes en Lombardie qui est aujourd'hui encore Sabionetta. Vous allez me dire que là on pourrait arrêter, mais non, parce que je vous ai promis trois mariages et pas deux, et trois drames et pas deux. Et on en est à deux dans les deux cas. Le troisième drame arrive en effet à peine installé à Sabionetta. Il a auprès de lui son jeune fils Luigi, qu'il adore d'ailleurs, dont il veut faire un prince encore plus digne des gloires que lui. Et un jour, dans une stupide querelle de famille, il frappe son fils et le tue. Mort accidentelle, bien entendu, mais dont il ne se remettra strictement jamais. Une seule fois, pour un homme qui s'est retiré des armes pour oublier, ça ne peut pas être la guerre, je vous dis, il s'en est retiré, c'est donc le mariage. Troisième mariage, donc, en 1583, cette fois-ci, pour être sûr, avec une cousine, ce sera Marguerite Gonzague qui sera sa compagne jusqu'à ses derniers jours. Dès lors, 1580, en gros, si vous le voulez, au lendemain de la mort de son fils Luigi, Vespasien Gonzague n'a plus qu'une idée. Oublier les armes, oublier la guerre qui lui a fait perdre tant de temps, oublier les passions, oublier les drames, oublier tout en créant. Et il est pris de cette folie bâtisseur, quand vous verrez la résultante tout à l'heure.
Il oublie donc le monde, mais le monde ne l'oublie pas, bien entendu. Un jour, il reçoit de la part de l'empereur Maximilien l'ordre de la Toison d'or. Il est le premier prince d'une maison italienne à recevoir l'ordre le plus haut qui soit, du moins donné par l'empereur, l'ordre de la Toison d'or. Un autre jour, autre cortège brillant d'ambassadeurs entrant dans sa bionetta, c'est Venise cette fois-ci. Venise qui vient à genoux supplier Vespasien Gonzague de prendre le commandement suprême de ses troupes. Nous sommes très près des catastrophes finales de Venise, vous voyez d'après les dates, 1584, il pourrait tout à fait dire ça. Eh bien, il refuse. Il refuse aussi bien la Toison d'or que le commandement suprême de Venise. Cet homme est cassé, cet homme n'a plus qu'un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, et je vous rappelle que ce moyen, c'est la brique et le ciment. Autrement dit, il n'y a plus que Saviorita pour lui qui compte. Et enfin, le 26 février 1591, à 4h du matin, il meurt. Depuis longtemps, il était atteint de douleurs au crâne effrayantes. Ses médecins ont décidé de le trépaner. Quelques minutes après la trépanation, il décède en criant « Sono guarito, je suis guéri ». Vous voyez qu'il n'a même pas raté son mot de la fin. Autrement dit, vraiment, Vespasien Gonzague est l'un des plus beaux héros de roman que vous puissiez rêver. Eh bien, c'est cet homme-là, ou plus exactement, c'est les œuvres de cet homme-là que nous allons maintenant essayer de connaître. Auparavant, voilà le monument funéraire de Vespasien Gonzague et du coup d'ailleurs l'une des plus belles sculptures de ce genre funéraire que le XVIe siècle ait produit. C'est Vespasien Gonzague en général romain par Léoné Léoni. Ce monument funéraire a des modèles du genre. La diocèse du XVIe en a produit d'innombrables, mais vraiment l'un des plus beaux du genre se trouve aujourd'hui encore à l'église de l'Incoronata à Savionetta. En deux mots, mais vraiment en deux mots, j'aimerais vous parler de ce Léoné Léoni. Personnage assez intéressant qui n'a pas, je trouve, sa place dans l'histoire de la sculpture du XVIe siècle, on parle toujours de Michel-Ange, de Jean de Bologne, de quelques autres, dont Germain Pilon, et puis on l'a liquide assez vite. Léoné Léoni est un très grand sculpteur, il mérite donc que nous nous y arrêtions. Sa formation, en deux mots, a été celle d'orfèvre d'abord et de médaillé ensuite. Vous savez que l'art de la médaille était un art majeur à la Renaissance. À la sculpture, il n'est venu que beaucoup plus tard. En effet, il a commencé par faire des médailles et il avait des médailles pour ses amis, ces fameuses médailles emblématiques où on se met des armes hiéroglyphiques avec une devise. Il a fait des médailles pour l'Aretin, il a fait la médaille du Titien, tenez. Il a fait des médailles comme ça pour Venise, car c'était à Venise à l'époque qu'il travaillait. Lors d'un voyage à Milan, il a été remarqué par Charles Quint qui en a fait son sculpteur. Autrement dit, et dès lors, le destin de Léoné Léoni ne sera plus italien, il sera espagnol. C'est donc assez curieux de voir qu'en fait, et le sculpteur et le modèle ont eu la même carrière, italien de naissance et de formation, mais espagnol de vocation. En effet, Léoné Léoni quittera, et à jamais d'ailleurs, l'Italie pour l'Espagne. Si donc vous voulez voir davantage de Léoné Léoni, je vous assure que ça vaut la peine, allez à Madrid, au Prado, ainsi on garde sa grande statue de Philippe II et de son épouse, la reine Marie. On garde son Charles Quint, on garde, bref, toute une série d'œuvres de circonstances qui sont d'ailleurs souvent des œuvres funéraires, mais qui sont certainement parmi les plus belles de son siècle. Il a eu la chance qu'ont tous les bons pères, il a eu un fils, il a eu la malchance qu'ont tous les bons pères, qu'ont tous les mauvais pères, son fils est devenu encore plus génial que lui. Son fils s'appelle Pompeo Léoni et il a été lui aussi le sculpteur officiel de la maison d'Espagne pendant la première partie du XVIIe siècle. Alors, exit Léoné Léoni, nous abordons maintenant, si vous voulez bien, Savionetta. Alors, Savionetta, je vous rappelle, c'est un lieu que Vespasien concevra dans sa maturité, au moment où il estime avoir joué sa vie. Tout est fait pour lui. Et au fond, il ferme les portes de Savionetta à créer sur ce qu'il estime être déjà un homme mort. Si vous le voulez, c'est une sorte de testament spirituel. Ben, l'homme mort, il aura quand même plus de 20 ans pour travailler, c'est vrai. Mais je rappelle, c'est un homme fini, ou du moins c'est un homme qui s'estime
fini. Et donc, pour se survivre à lui-même, il décide de créer un monde. En ceci, je crois pouvoir vous dire que Vespasien Gonzague s'inscrit dans la grande tradition de tous ceux qui ont rêvé, eux aussi, de créer des villes utopiques. Si vous voulez, le pharaon Akhenaton, lorsqu'il a créé Akhenaton, a un peu agi dans le même sens. Périclès, lorsqu'il a refait Athènes, aussi. Néron, lorsqu'il a rêvé d'une nouvelle Rome, aussi. Frédéric II de Hohenstaufen, lorsqu'il a érigé ses châteaux dans les Pouilles, aussi. Le pape Sixte Quint à Rome, encore. Auguste le Fort à Dresde, et jusqu'à, si vous voulez, les créateurs de Chandigarh ou de Brasilia sont de ces gens qui ont fait estimer avoir un laisse à apporter, alors qu'ils étaient au terme d'une expérience assez riche pour leur permettre de jouer à Dieu le Père. Et c'est exactement, je vous répète, ce que fait en fait Vespasien Gonzague. Il crée en démiurge, si vous n'aimez pas le terme de Dieu le Père, enfin, moi je n'aime pas non plus, mais en démiurge universel, il crée le monde dans la petite enclave qu'est pour lui Sabion. Alors si vous voulez bien, on parle maintenant pour Sabionetta. Les premiers travaux de Sabionetta, c'est 1574. La dernière pierre posée à Sabionetta, c'est 1590. Donc vous voyez, une vingtaine d'années très en gros de travail intense. La première des choses qui frappe à Sabionetta, et je crois que c'est en fait le premier mérite de Sabionetta, c'est d'être ce que l'on appelle de l'architecture pauvre. Le mot est aujourd'hui à la mode, vous le savez bien, c'est-à-dire une architecture qui en fait est bâti sur de l'essentiel et ne cache pas cet essentiel. Je veux dire par là, il n'y a ni plaquage de pierre de taille, ni inclusion de marbre, ni même inclusion de terre cuite, c'est de la brique et ça montre que c'est de la brique. Une tendance que, vous le savez sans doute, l'architecture contemporaine, alors vraiment tout à fait contemporaine, tend à reprendre de nos jours. Dans le cas précis, on pourrait parler d'un maniérisme pauvre, en l'occurrence. Je rappelle que le mot pauvre, en l'occurrence, enfin, dans cette acception-là, n'est pas du tout péjoratif, c'est une évidence, c'est un mode esthétique de faire, mais un mode extrêmement original au XVIe siècle, à une époque où, en effet, le marbre, le granit, le porphyre étaient sans cesse mis à contribution. En une époque où surtout on jouait en virtuose avec l'alliance de ces matériaux. À Sabionetta, ce qui est stupéfiant, c'est que véritablement, et partout, que ce soit dans les palais, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans les églises, la brique apparaît dans son caractère essentiel et fondamental. Vraiment, partout et à travers toute la ville, comme vous le voyez ici. Ce qui donne d'ailleurs à la ville une rigueur extraordinaire. Il y a beaucoup d'austérité à Sabionetta, mais cette austérité est comme sauvée par l'absolue orthodoxie des lignes que rien ne vient perturber, surtout pas le champ fallacieux des ornements. C'est vraiment l'architecture essentiellement pensée, et c'est tout. Essentiellement pensée, mais pensée en grand, car lorsque vous regardez un portique comme celui-ci, vous vous rendez compte de l'ambition du lieu. Aujourd'hui, Sabionetta compte 5169 habitants, paraît-il. À l'époque de Vespasien Gonzague, elle en abritait près de 11 000, soit en fait le double. Et ces 11 000 vivaient dans une des villes les plus aérées qui soit. Vespasien pensait grand. Et l'exemple de ce portique vous le montre bien, il est large, il est aéré. Il servait, dit-on, de marché. Et avec beaucoup d'intelligence, Vespasien l'avait voulu ouvrir au vent des deux côtés, de façon à ce que le vent, en fait, balaye ce que l'homme de Sabionetta, Vespasien le savait bien, n'a pas la force de balayer. Ce portique, en fait, nous introduit aux appartements même. Et voilà. Voilà la galerie haute. Vous voyez qu'en fait, ce sens de l'orthodoxie des lignes, ce sens des perspectives poussées jusqu'à l'extrême, est vraiment du coup de Vespasien. Il le reprend partout où il peut. Ce premier lieu où je vous amène, parce qu'il me paraît l'un des plus emblématiques de Sabionetta, c'est la Galerie des Antiques. Il faut que vous sachiez en effet que Vespasien Gonzague a été un collectionneur aussi passionné et farouche que ses pères et les pères de ses pères. Il avait entre autres une collection d'antiques absolument étourdissante. Où est-elle, me direz-vous?
Ben, il faut que vous sachiez qu'à la mort de Vespasien, tout Sabionetta est tombé dans les mains du seul héritier, ou plus exactement de la seule héritière. Et si vous avez bien retenu la leçon tout à l'heure, il n'avait que deux enfants, Luigi, qu'il a tué lui-même, et une fille, Isabella. À l'époque, léguer un domaine comme cela à une fille est la pire des calamités. Parce que c'est naturellement le réveil des cousins, et pour tout vous dire, mais en bref, Sabionetta a été démembrée et pillée dès l'instant de la mort de Vespasien par des cousins trop empressés. On s'est tout partagé, même les antiques. Aujourd'hui, Sabionetta est vide comme avant le premier jour. Voilà donc la galerie des antiques sans antiques. Cette pièce est étourdissante car il s'agit d'une pièce à ceci d'attachant qu'elle ne sert à rien. Elle n'amène à rien, elle ne va nulle part. C'est simplement, comme la tradition des grands seigneurs du XVIe siècle voulait, une pièce de représentation. Simplement. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut recevoir, c'est là qu'on peut danser, c'est là qu'on peut dîner. Mais dans l'austérité des derniers jours de Vespasien, cette pièce était une sorte de conservatoire de souvenirs qui est toujours resté vide. Et au fond, c'est le décor qui lui tient lieu de vie, si vous le voulez. Le décor, en effet, comme le goût du maniérisme le veut, est un étonnant décor en trompe-l'œil que vous allez découvrir, voilà, prolongeant encore, avec une certaine habileté d'ailleurs, l'immensité du décor. Vous voyez, il y a des colonnades qui continuent la colonnade, il y a des arches qui prolongent les arches, il y a des perspectives ouvrantes et de droite et de gauche sur une sorte de Sabionetta irréelle. Et fait en tout cela, bien entendu, il y a les âmes de Vespasien, Gonzague, que vous découvrez ici pour la première fois, mais que nous redécouvrirons, bien entendu, de lieu en lieu. Rien n'y manque, vous voyez, colonnes, chapiteaux ioniques, colonnettes, colonnettes torsadées, brûle-parfum, peau pourrie, plainte, tout y est, même les triglyphes à l'antique. C'est par excellence le répertoire de l'endomanisme du temps. Et vous voyez que, tout au long de la salle, ça c'en est un détail, on a peint une fausse colonnade donnant sur une fausse loggia, ouvrant sur une fausse ville. Et bien entendu, vous voyez s'ériger de droite et de gauche de grands bâtiments, au milieu desquels trône l'obélisque d'Égypte, qui à la fin du XVIe siècle semblait déjà l'un des symboles essentiels de la grandeur et du pouvoir. Pour animer cette architecture extrêmement épurée, et elle aussi extrêmement austère, il y a bien entendu des invités. Ces invités, ce sont les muses, les demi-dieux et les dieux. Le vide, appelons le biographique de la salle, était comme exorcisé par l'omniprésence de figures allégoriques qui, un petit peu michel-angélesque, un petit peu raphaélisante, très jules romanisante, mais avouons bien, de qualité très moyenne, viennent comme ça planer au-dessus de vous. Il y a des quantités de ces figures féminines, il y a aussi, et par multiplié par 10, des quantités de petits divers dons, avec ce sens de l'humour très particulier du XVIe siècle, l'un même à l'irrévérence de vous faire pipi dessus. Puis en dessous, il y a habilement tracé un grand décor de marbre marqueté sur le plat parfait du plâtre, car une fois de plus, il ne s'agit surtout pas de jouer l'illusion. Vespasien, Gonzague est rigoureux jusqu'à l'extrême. Les murs de cette salle gigantesque sont aussi plats que ses rêves. Et là-dessus, on greffe donc le faux semblant du décor à fresque dont vous avez ici l'un des éléments. Maintenant, nous allons parcourir les salles de ce palais. Dans les salles de ce palais, vous allez découvrir un décor peint, c'est une évidence. Et dans ce décor peint, vous allez découvrir tous les grands cycles auxquels notre étude depuis quelques semaines nous a habitués. C'est ainsi qu'il y aura un cycle épique racontant les grandes heures de l'Antiquité, les grandes heures des demi-dieux et des dieux. Il y aura aussi un cycle dynastique, c'est-à-dire un cycle qui raconte les grandes heures de la vie du Seigneur. Et autant que possible, l'un se mêle à l'autre. Mythologie et histoire s'entrelardent de façon à créer une sorte de flatteuse compromission entre le réel et l'irréel.
Et enfin, un troisième niveau de cycle nous amènera au pur décor, à l'ornemanisme du siècle, des grotesques, dont vous découvrirez quelques beaux exemples. Cycle épique d'abord. Vespasien Gonzague est un prince de la Renaissance, et comme tous les princes de la Renaissance, il rêve des grandeurs passées. Donc, référence à la grande période romaine. Voilà une fresque vous montrant le cirque Maxime à Rome, tel que les historiographes antiquaires le restituaient. Et juste à côté, histoire de créer ce fameux vertige des siècles, voilà l'image d'un impérator romain dans lequel on peut se plaire à reconnaître une forme de portrait de Vespasien Gonzague, un peu d'ailleurs comme, si vous vous souvenez, Frédéric de Montefeltre s'était fait statuer en Scipion à l'entrée de son château d'Urbain. Ça, c'est un peu la même chose, si vous le voulez, mais à Savionnetta. Donc, nous sommes à Savionnetta, mais aussi dans la Rome antique. Nous sommes chez Vespasien Gonzague, mais aussi chez César. Les fastes de la cour sont donc les fastes de cour antique. Et au plein de les grands salons se développe un triomphe romain superbe, alliant bien entendu aux coursiers, aux taureaux et aux bœufs, les éternels éléphants, on en parlait beaucoup à l'époque, c'était ceux d'Hannibal, comme chacun sait, voire même les chameaux qui devaient être ceux des rois mages. Enfin, ça c'est une autre histoire. Voilà un petit bout de ces fastes à l'antique, en plainte du plafond, telle qu'une restauration tout à fait récente les remet à jour aujourd'hui. Puis dans les salons, après avoir situé le décor dans cette sorte d'antiquité, de convention que nous venons de voir, dans les salons, c'est naturellement la résurrection des mythes. Puisque nous sommes dans une Rome héroïque, les personnages avec lesquels nous dialoguons ne peuvent être que des héros. Et on retrouve ici, comme dans la plupart des grandes résidences du temps, les grands mythes que vous connaissez, et naturellement surtout l'Iliade, l'Odyssée et l'Énéide. Voilà donc ici une peinture vous montrant l'entrée du cheval dans la brèche de mur de Troie. Vous voyez, avec beaucoup de messieurs qui tirent, mais pas trop parce que ça dérangerait un peu leur tunique, et des tas de dames qui protestent, mais pas trop parce que ça dérangerait leur chignon. Le tout faisant entrer un cheval qui a l'air aussi peu décidé que possible d'ailleurs. Un peu plus loin, voilà la fuite de Troie. Vous voyez, ça brûle, mais pas trop parce qu'il aurait fallu remettre du rouge dans la composition. On déménage, mais pas trop, parce que ça aurait des allures pas convenables. Et on voit quand même Aînée qui vient de poser son papa en guise, au premier plan, là. Parce qu'un papa sur le dos, dans une composition comme celle-là, ça aurait fait des ordres. Et enfin, Aînée prend sa propre aventure, et voilà ici Aînée rencontrant Titon et vivant sa passion, mais pas trop, une fois de plus. Soyons francs, je viens de vous montrer trois panneaux de ce cycle de l'Énéide. C'est franchement non seulement médiocre, mais mauvais. Ça n'a pas grande importance. D'ailleurs, l'important est dans le cadre référentiel. Vous verrez, et nous en reparlerons. Ça, c'était pour le cycle épique. Et j'ose dire qu'on voit que ce n'est pas celui qui convainquait le plus Vespasien Gonzague. Il a cédé à la mode, il y a cédé avec une certaine légèreté, légèreté qui l'a poussé jusqu'au choix des peintres, à vous. Deuxième cycle, cycle dynastique. Et vous savez qu'il faut allier aux héros, aux dieux et aux demi-dieux, les membres de sa famille, ceux qu'on appelle les antenati, hein, ceux qui sont nés avant, les ancêtres, disons-nous. Et ainsi, aux plaintes de Savionnetta, dans de très curieuses compositions qui sont à la fois peinture et sculpture, si vous le voulez, un peu comme des méthodes à l'antique, on voit défiler toutes les gloires de la famille Gonzague. Alors ça, j'espère que vous le remarquez, c'est bien meilleur. Alors, véritablement bien meilleur. Alors comme ça, toute une série de portraits, très dans la tradition d'ailleurs des 15e et 16e siècles, nous raconte l'histoire des Gonzague depuis quasiment la fin de l'Antiquité jusqu'à, bien entendu, et compris, le père et la mère de Vespasien Gonzague. Ce sont, en l'occurrence, des stuccatures à l'époque polychromée. Voilà pour ce cycle dynastique. Le troisième cycle, maintenant, c'est le cycle ornemental. Et là aussi, comme dans toute résidence d'Italie, à côté des dieux et des demi-dieux qui font le cycle épique, à côté des grands-pères, des grands-mères et au-delà qui font le cycle dynastique, il y a,
les vases à fleurs, les sphinges et les chimères qui forment le troisième cycle, le cycle ornementiste. Alors à Sapioneta, on est gâté. Il y a bien entendu les éternels vases à l'antique comme celui que vous avez là. Il y a aussi et surtout les éternels sphinges, c'est-à-dire ces créatures mi-femmes, mi-oiseaux, avec encore un petit peu de lion, si tant est que mi et mi, ça laisse de la place. Bref, il y a les sphinges dont vous voyez un bel exemple ici. À Sapioneta, les sphinges doivent avoir un rôle pratique, Vespasien n'est pas inutile. Elles sont donc des blasonophères, c'est-à-dire qu'elles portent les armes des alliés à la famille de Vespasien consacre. Mais aussi et surtout, au-delà de ce que nous venons de voir, il y a bien entendu à Sapioneta des grotesques. Nous avons déjà vu, lorsque je vous ai parlé des arts mineurs à la Renaissance et au début du médiévalisme, nous avons déjà vu cet art étrange et très cérébral qu'est l'art du grotesque. Eh bien, à Sapioneta, quelques-uns des plus étonnants qui soient nous sont proposés. Alors là, des grotesques vraiment d'une très grande qualité, à la fois d'invention et d'exécution. J'en veux pour exemple cette composition aux trois grâces que vous avez ici. Je pense inutile de vous rappeler que le grotesque jouant sur l'irrationnel, les trois grâces sont dans un kiosque dont les colonnes ne peuvent pas supporter son toit qui ne peut pas être suspendu plus haut et pourtant tout cela tient. Tout cela tient en servant encore de support à des sortes d'étranges joyaux, lesquels joyaux sont, vous le voyez, repris par des rubans qui dégringolent de la gorge des poutres. Cependant qu'au niveau inférieur, des satyres fouettent curieusement des dames nues que je me suis permis de censurer d'ailleurs pour ne point vous choquer. Voilà un autre exemple de ces grotesques étonnantes. Ici, de nouveau, avec des dryades, amadryades, satyres, petits oiseaux, etc., etc. Vraiment d'une inventivité digne de ce que nous avions vu, aussi bien au château Saint-Ange qu'à la Villa d'Est ou dans d'autres demeures que nous avions pu parcourir au moment où nous avions parlé même de cet art des grotesques. À côté des grotesques peints, il y a aussi des grotesques stuquées. C'était aussi l'une des modes du temps que d'utiliser, comme dans l'Antiquité gréco-romaine, le stuc pour jouer avec les grotesques. Et nous avons tout un petit appartement dont le plafond est fait de ces rinceaux floraux étonnants, parsemés de ci, de là, de têtes curieuses parmi lesquelles on reconnaît la méduse, le soleil, la lune, têtes emblématiques qui viennent encore ajouter au mystère du mythe tel qu'il est répandu à travers tout Sapioneta. Et enfin, ça, j'ose avouer que c'est mon appartement préféré, il y a, c'est la mode aussi au XVIe siècle, la chambre de verdure, dite aussi chambre de fraîcheur. Vous vous souvenez peut-être, parce que j'y avais fait allusion une de ces semaines passées, l'instigateur de ces décors de fraîcheur avait été Léonard de Vinci à Milan, et depuis ce premier modèle avait été sans cesse imité. Vespasien Gonzague a lui aussi cet étonnant kiosque de fraîcheur, cette fois-ci marqué de lierre, semble-t-il, mais vraiment d'une très très grande qualité de peinture. Regardez de près comme de loin l'ensemble et à la fois d'une très grande subtilité dans les transformations des verts, le passage de ces verts au rond en passant par tous les bruns. Et en même temps, si vous voulez, dans la rigueur même de l'ensemble. Donc vraiment, pour ceux d'entre vous qui goûtaient cet art ornemental du XVIe siècle, qu'il appartienne au cycle épique, au cycle dynastique ou au cycle ornemental, Sapioneta sera, je crois, une heureuse découverte. Mais il y a encore une dimension complémentaire. Cette dimension, c'est celle des plafonds. Je ne voulais donc pas quitter les palais sans vous montrer un choix de ces plafonds que Vespasien Gonzague amoureusement se faisait peindre, marqueter, voire tailler dans les bois les plus précieux et même parfois, dit-on, dorés. Voilà par exemple un plafond de grotesque pour l'un des petits salons. C'est le salon où vous avez vu tout à l'heure les épisodes de l'Énéide. Alors vous voyez bien que Vespasien est beaucoup plus proche de ce décor ornementaliste dans lequel sa fantaisie, souvent morbide d'ailleurs, trouvait son plein épanchement, que dans le cycle convenu de l'histoire d'Énée dans lequel il semble s'être autant ennuyé que ses artistes. Voilà donc, plein d'imagination, ce décor du salon dit des intailles, car en effet chaque compartiment reprend le dessin d'une pierre gravée à l'antique. Mais les plus beaux des plafonds de Sapioneta sont des plafonds de bois.
Et si je vous en montre plusieurs, c'est que trop souvent dans les résidences de l'époque, ces plafonds de bois se sont abîmés, voire même souvent ont brûlé. Nous n'avons que très très peu des grands plafonds de la Grande Renaissance. Sapionetta est donc une rareté. Et il faut signaler au passage le mérite de ces restaurateurs actuels qui, comprenant la rareté du domaine qu'ils ont à conserver, mettent tout l'accent de leurs travaux récents sur la conservation d'un ensemble de plafonds unique en Italie et certainement pas loin d'être unique en Europe. Voilà des plafonds taillés en plein cèdre, ici, à Rosas. Ils sont vraiment à la fois d'une richesse mais en même temps d'une rigueur architecturale étonnante. Autre plafond ici, plein cèdre et plein marronnier, bois clair et bois foncé, où se reprend d'ailleurs ce jeu de rosace, mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, en octogone. La tradition dit que ces plafonds étaient recouverts d'or par Vespasien Gonzague et que les héritiers au démembrement de la ville en ont gratté jusqu'à la dernière trace. Puisque nous parlons plafond de bois, je voulais terminer par les deux plus beaux. Voilà le plafond de l'ange, une véritable merveille en ceci qu'il n'est plus du tout une œuvre simplement ornementale, mais vraiment une grande œuvre de sculpture sur bois. C'est en effet, regardez le corps et surtout le drapé de cet ange, l'un des plus beaux exemples sur bois de modelé maniériste que l'on puisse voir. Ce plafond de l'ange tenant les armes de Vespasien Gonzague est donc lui aussi unique en son genre. De même que d'ailleurs le plus riche de tous, le caisson d'or, représentant dans leur miroir les armes de Gonzague, porté, comme vous pouvez le voir, par deux lions. Là encore, une œuvre d'une très grande importance pour qui veut connaître les arts mineurs en Italie. Je vous ai montré le Sapionetta, c'était l'idéal réunion des arts majeurs et mineurs, peinture, sculpture, travail de bois, marqueterie, que l'on puisse voir en Italie. Peut-être pas toujours absolument génial, surtout pas la peinture, enfin, je confesse, mais enfin. Mais il nous reste bien d'autres choses à découvrir, ça va de soi. On va d'ailleurs maintenant sombrer tout de suite dans l'insolite. Voilà. La cavalcade héroïque, les cavaliers de l'Apocalypse de la dynastie. Voilà, grandeur nature en bois, stucqué et peint au naturel. Voilà les antenati de Vespasien. On raconte que Vespasien avait fait sculpter ces quatre effigies grandeur nature de façon à ce qu'elles lui soient associées au moment des fêtes princières et ducales de Sapionetta. Autrement dit, comme un vieux romain, vous voyez le danger d'être cultivé, comme un vieux romain, il promenait avec lui ses mânes et on mettait donc ses statues sur roulette en les associant à au faste des cérémonies. Ça peut vous faire sourire, ça ferait certainement sourire au XXe siècle, je crois que ça pourrait être assez rigolo. Ça peut vous faire sourire aujourd'hui, ça ne faisait pas sourire au XVIe siècle, car je vous rappelle que dans la Rome antique que l'on prétendait faire revivre, il n'était pas de cérémonie officielle où l'on associe les effigies de ses ancêtres. Voilà donc en quoi Vespasien se montre être un descendant, appelons-le respectueux, des coutumes de son passé. Ces quatre effigies nous montrent donc le marquis Ludovic, ça reprend si vous le voulez à peu près toute la généalogie que je vous racontais tout à l'heure, le marquis Ludovic, celui donc de l'époque de Mantegna que vous avez ici. On découvre également Frédéric, et enfin, voilà, Vespasien Gonzague lui-même. En effet, à la fin de sa vie, alors que ses douleurs lancinantes à la tête l'empêchaient de paraître, c'est sa statue qui présidait aux fêtes de Sapionetta. Ce groupe de quatre statues en bois stucqué et peint, dans un état de conservation, disons-le bien, stupéfiant, est unique non seulement en Italie, mais au monde. Ce sont, dans le domaine italien, les seuls exemples de statues animées, comme on les appelait à l'époque, qui demeurent, c'est-à-dire statues porteuses d'armes. L'une des plus vieilles idées païennes de tous les temps, mais qui a réussi à survivre même au christianisme le plus officialisé pour demeurer, si vous voulez, l'archétype de cette idée que l'âme peut s'associer à la vie des vivants par le truchement d'une statue. Vous
Nous avons vu donc à Sabinetta quatre exemples remarquables que je viens de vous montrer. Deuxième insolite ou deuxième lieu de l'insolite à Sabinetta, maintenant l'église. Il y en a trois pour tout vous dire, dont deux ont été érigés par Vespasien. J'ai choisi de vous montrer ce soir celle de l'Incoronata pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a été construite par Vespasien, bien sûr, et avec tant d'amour qu'il y a fait mettre son tombeau, mais aussi et surtout parce qu'au XVIIIe siècle, on ne sait quel Gonzague un peu malade l'a fait complètement repeindre. Et même si je vous donne un cours sur la Renaissance et le maniérisme, puisque nous sommes à Sabinetta, je voulais vous montrer l'un des décors peints en trompe-l'œil les plus incroyables de l'histoire du trompe-l'œil. Donc, pendant quelques minutes, oubliez que vous êtes à un cours sur la Renaissance, s'il vous plaît. Ça date du XVIIIe siècle. Ça a été fait par un personnage qui s'appelle Isacci et qui était élève de Bibbiena, le grand scénographe de son temps. Pourquoi ça a été fait? Pour qui ça a été fait? Quand exactement ça a été fait? Nous n'en savons rien. C'est simplement signé. C'est tout ce que nous pouvons dire. Mais alors, le décor est d'une extraordinaire efficacité. Je me permets en effet de vous signaler que tout ce que vous voyez là est trompe-l'œil. Absolument. C'est uniquement un jeu de l'impossible dans une église qui est un tout petit octogone de rien du tout. Tout cela a été peint avec la plus invraisemblable virtuosité que l'on puisse imaginer. Et plus ça monte, plus c'est fou. C'est-à-dire que la coupole s'ajoute de loggia, de balcon, de terrasse, ouvre sur un ciel infini et bleu, propose encore tout un décor de fausses sculptures dans des fausses niches, traité vraiment avec une étourdissante virtuosité jusqu'à la clé de voûte. Regardez quand on s'approche ici, vraiment, le trompe-l'œil prend presque l'allure d'une anamorphose, on a l'impression d'être dans un espace gigantesque comme une flèche de cathédrale gothique, alors que le tout culmine véritablement à quelques 15, 16 mètres au grand maximum au-dessus du sol. Voilà une vue générale de cette retombée étourdissante qui naturellement ouvre le ciel sur la vision du Saint-Esprit. Alors ces quelques diapos, je répète, n'avaient rien à faire avec mon cours, mais vous serez d'accord avec moi qu'on ne pouvait pas laisser passer l'église comme ça. Alors on revient maintenant à Ralaterre, toujours dans l'église, mais pour découvrir ce fameux tombeau. Alors, il faut que vous sachiez que le tombeau lui-même a été fait par un dénommé Giovanni Battista della Porta dans les années 1593. Bien entendu, Vespasien était mort, ça va de soi, et il avait laissé par testament le devoir à son descendant, en l'occurrence ça a été sa descendante, d'ériger à l'Incoronata son tombeau. Et il avait demandé qu'il soit placé la statue de Léoné Léoni, car il faut que vous sachiez que le tombeau est donc de Giovanni Battista della Porta, bien. Mais ce tombeau, en fait, ne sert que de terrain à une statue que le duc lui-même avait fait exécuter de son vivant. Avec l'étrangeté qui est vraiment la sienne, il avait posé pour sa statue funéraire. Et Léoné Léoni aurait pu ainsi observer les gestes de Vespasien Gonzague pour lui donner ici plus de vérité encore. Alors, l'ensemble du tombeau, c'est assez beau d'ailleurs, c'est assez équilibré, ça rappelle un tout petit peu le tombeau de Jules II à Saint-Pierre-aux-Liens, dans un côté un peu académique, un peu ennuyeux, bon, mais surtout cela sert à mettre en évidence cette splendide sculpture, comme le tombeau de Saint-Pierre-aux-Liens sert à mettre en évidence le Moïse. Voilà donc en bronze patiné noir ce fameux Vespasien Gonzague de Léon. Alors je pense qu'il vous apparaît comme évident que Léoné Léoni admirait Michel-Ange. Il vous paraît certainement aussi comme évident qu'il a pastiché Michel-Ange. Nous sommes là en effet en plein tombeau des Médicis, avouons-le bien. Mais tout de même avec une grandeur du bronze, une tension du bronze, une nervosité du bronze qui est absolument étonnante ici. Alors vous voyez qu'en plus d'être une sorte de petite cité idéale à la mesure de son siècle, nous venons déjà de voir par deux lieux au moins la
la salle des antennes attire les quatre grandes statues et l'église de l'Incoronata avec sa grande effigie que sa Violetta se hisse comme cela au-dessus de bien d'autres utopies de son temps. Mais si j'ose dire, c'est encore rien. Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est le troisième lieu que je vous présente maintenant. En effet, après ce premier exemple de l'insolite qui était l'ensemble des quatre sculptures, après le deuxième exemple qui était l'Incoronata, nous arrivons maintenant à la merveille des merveilles, à ce qui mérite à soi seul le voyage. Ce lieu-là, c'est le théâtre. Car en effet, Vespasien Monzac aimait le théâtre comme tous les princes de son temps. Je vous rappelle que le théâtre moderne naît au XVIe siècle, aussi bien dans la structure des salles que dans la scénographie et le jeu même des acteurs. Eh bien, tout prince de la Renaissance devant avoir un théâtre, Vespasien Monzac à sa Violetta aura son théâtre. Le théâtre, dit théâtre à l'antique, a été érigé entre 1588 et 1590, c'est donc une de la fin. Voir, pas vous dire que Ludovic était, que Vespasien était mourant, mais pas loin. On a joué trois fois de son vivant seulement au théâtre à l'antique. Toujours est-il, il l'a fait construire par les grands spécialistes du temps, Vincenzo Scamozzi, architecte de Vicence. Alors, je vais d'abord vous le montrer, puis je vous reparlerai de Scamozzi, parce que ça a certainement été le plus extraordinaire des collaborateurs de Vespasien Gonzague. Alors, voyons maintenant cet étonnant théâtre. Là aussi, le théâtre de sa Violetta a une chance exceptionnelle. Il est dans un état de conservation exceptionnel. Hormis, hélas, la scène. La scène, en effet, le mur du fond de la scène qui portait une architecture a été détruit au moment de la dernière guerre par un incendie. Par contre, l'orchestra, la cavea et surtout la partie que vous avez devant vous, c'est-à-dire la partie des loges et du public, sont dans l'état de l'époque. C'est une construction en briques, mais qui cette fois-ci a été revêtue, comme vous pouvez le voir, de façon à jouer à la noblesse de l'architecture antique. Alors, nous sommes là au niveau des spectateurs, il y a une loge, qui en l'occurrence est la loge princière, se prolongeant par, comme il se doit, un promenoir très important dans l'éthique de l'époque, le tout soutenu par un magnifique portique sur lequel, pour faire illusion, on a mis des statues. Illusion de quoi? Bah, tout simplement illusion d'extérieur. Je vous rappelle que jusqu'alors, tous les théâtres avaient été des théâtres extérieurs. Scamozzi est l'un des premiers à avoir créé un théâtre intérieur. L'un des premiers. Oh, je vous entends déjà dire que Palladio l'avait fait avant. Je me permets simplement de vous rappeler que Scamozzi et Palladio travaillaient main dans la main et que s'ils ont créé quelque chose, c'est en même temps et de concert. Autrement dit, le théâtre de Vicence, je ne vous ai pas encore parlé, mais dont je vous parlerai, est absolument contemporain de celui de sa Violetta. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, voilà donc ce magnifique portique en briques recouvertes. Voilà donc ces sculptures qui permettent à ce portique de donner l'illusion de l'extérieur, car en effet, l'échelle se tronquant, si vous le voulez, on a l'impression que le plafond se repousse extrêmement loin. Les sculptures sont en stuc, bien entendu. Vous pouvez d'ailleurs le voir, elles ont les genoux qui s'écaillent, ces dames et ces messieurs. Créant, comme je vous l'ai dit, ménageant, si vous le préférez, comme je vous l'ai dit, un déambulatoire intérieur dans lequel, avec ce sens du trompe-l'œil très cher au XVIe siècle, on a prolongé l'architecture en créant un deuxième portique ouvrant sur des niches orfévrées véritablement, abritant de fausses statues, c'est-à-dire peintes en cabayeux de jaune et d'ocre, la représentation des grands poètes épiques et tragiques de l'Antiquité. Voilà l'entrée du promenoir, c'est-à-dire par là où entrait le duc Vespasien. Et voilà justement ces fameuses fresques en trompe-l'œil montrant les grands poètes tragiques et comiques de l'Antiquité. Ici, Plaute, par exemple. Pourquoi Plaute? Moi, je vous dirai tout de suite parce que c'est écrit dessus. Mais il n'y a pas de reconnaissance particulière à ces personnages qui sont d'ailleurs d'une esthétique un tout petit peu... Puis on voit là un deuxième, celui-là c'est Terence.
la loge ducale avec son faux portique, le déambulatoire qui la prolonge avec ses fausses niches et ses fausses statues. La scène, comme je vous l'ai dit, a en partie disparu. Le mur du fond n'existe strictement plus. Vous me direz que j'aurais bien pu vous en amener une photo pour que vous voyez. Mais je dois vous avouer qu'il a été tout récemment repeint dans l'acte de Côme, tellement épouvantable, que je vous montre donc les côtés latéraux de cette scène qui, eux, ont par miracle conservé leur décor d'époque. Sauf que, au moment où un festival a été créé à Savioneta, c'est-à-dire en 71, on s'est cru obligé, sécurité nécessitant, de tailler une porte complète dite de secours dans la fresque décorative. Ça, c'est une autre histoire. Alors, là, le mur du fond représentait vraisemblablement un palais. Vraisemblablement, je vous le dis bien, vraisemblablement. Les murs latéraux représentent l'un, l'infini d'un paysage, côté jardin, l'autre, le fini d'une maison patricienne, côté cour. Si vous voulez, c'est exactement la répartition classique du décor classique d'un théâtre classique. Et je me permets de vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, Scamozzi a créé pour Vespasien Gonzaga Savioneta l'un des premiers théâtres classiques du genre. Voilà donc le côté jardin, avec une ouverture sur le paysage et sur l'infini, et je pense que vous aurez tous reconnu un paysage idéal de Rome, avec au premier plan le château Saint-Ange. Pourquoi le château Saint-Ange? Parce que si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai dit depuis presque 2 heures maintenant, le papa de Vespasien avait participé au sac de Rome et avait protégé le pape réfugié au château Saint-Ange. C'est un coup de chapeau Gonzague complémentaire. Bien. En face, donc, il y a côté court, c'est-à-dire côté, appelons sa ville, avec une peinture extraordinaire représentant une maison, vous le voyez, avec des fenêtres. Curieux décor, semble-t-il, de boutique d'orfèvre qui peut-être en effet a été brossé pour l'une des 3 pièces que se fait représenter notre Vespasien Gonzague à Savioneta. Je voulais parler en 2 mots de ce Scamozzi qui est donc le créateur du théâtre à l'antique de Savioneta. Je vous rappelle, c'est un théâtre considéré comme importantissime dans le genre, puisque c'est le premier théâtre couvert, selon le diptyque ex nihilo de la Renaissance en Italie. Alors, qu'est-ce que c'est que le type ex nihilo? Je précise, parce que je vois vos yeux s'agrandir de réprobation et d'angoisse. On appelle un théâtre ex nihilo un théâtre qui n'est pas né dans un lieu naturel, l'y prédisposant, comme les théâtres grecs et romains. Les théâtres grecs et romains sont nés privilèges d'une courbure de terrain sur un dégagement extérieur, permettant, si vous voulez, comme à ces gestes, comme à Syracuse ou que sais-je encore, la création d'un espace qu'on a évidemment, d'un espace acoustique et en même temps d'un décor naturel. Ex nihilo veut dire tout simplement que c'est l'architecte qui doit recréer et la configuration du terrain, et le décor, et bien entendu l'acoustique. Il n'a rien pour supporter son théâtre. Donc, ex nihilo, tiré de rien. Alors, ce théâtre de Savioneta, donc cette double originalité d'être le premier théâtre ex nihilo, c'est-à-dire entièrement créé par le génie humain de son architecte, Scamozzi, et surtout, ce qui est encore plus important, semble-t-il, il est le premier théâtre moderne, en ceci qu'il est le premier théâtre couvert de l'histoire du théâtre occidental. Alors, quelques mots pour vous faire mieux connaître cet architecte de génie qu'est Scamozzi. Je vous rappelle qu'il est né le pauvre à distance et qu'il est né le pauvre à très peu de distance de Palladio. Je dis le pauvre parce que d'accord, quand on a Palladio comme rival à côté, il y a vraiment de quoi faire autre chose. Mais Scamozzi n'a pas fait autre chose, il a fait du Palladio. Il a fait du sous-Palladio, mais il a fait du Palladio. Dans sa jeunesse, en effet, il a froidement imité le style de Palladio de très peu son aîné. C'est ainsi que vous pouvez voir à Lonigo, que vous connaissez peut-être, une villa de la famille Pisani qui s'appelle Villa Rocca Pisani. Et cette très belle villa, Villa Rocca Pisani, quand on y arrive, crée toujours une angoisse épouvantable parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, je me suis trompé de route, c'est la rotonde de Palladio. Puis on se dit, mais c'est quand même pas tout à fait la rotonde, mais c'est la rotonde. Et c'est la rotonde sans être la rotonde. Mais voilà, ça c'est Scamozzi. Scamozzi au début. C'est toujours Palladio, mais pas tout à fait ça.
C'est toujours un petit peu pas assez, puis juste un petit peu trop, si vous le voulez. Mais à côté de ça, ce sont la plupart du temps des pastiches, avouons-les, relativement serviles de Palladio. Heureusement, il fera ce qu'il aurait dû faire plus tôt, il quittera Vicence et il s'éloignera de Palladio. Dès lors, il commencera une carrière qu'on pourrait appeler une carrière personnelle. Et c'est ainsi qu'on lui doit un monument que vous connaissez tous, un monument que vous avez partout, tous, un monument dans lequel vous avez bu un café ou un chocolat, tous, et peut-être que vous ne le saviez pas, vous y êtes tous fait photographier, j'en suis sûr, parce que c'est à Venise, parce que c'est sur la place Saint-Marc, c'est simplement les nouvelles procuraties, là où se trouve le café Florian, voilà. Eh bien, c'est une œuvre de Scamozzi, c'est la première œuvre de libération de Scamozzi. Il s'est enfin dépalladianisé et il commençait alors cette carrière nouvelle qui a été la sienne. Alors, il a construit ses nouvelles procuraties, puis ensuite, il a travaillé pour Vespasien, Gonzaga et Savioletta, notamment au théâtre, et le théâtre lui a amené une telle notoriété que c'est lui qu'on a choisi, étrange fatalité du destin, pour achever le théâtre que Palladio venait de laisser inachevé, le théâtre olympique de Vicence. Le fameux théâtre olympique, je vous le rappelle, était en chantier quand Palladio est mort, et bien c'est Scamozzi qui ira le lui terminer. Nous en reparlerons, mais dans un moment. Je vous signale qu'il a écrit, c'est ainsi qu'en 1615, partira à Venise son idea dell'architettura universale, idée sur l'architecture universelle, dans les plus grands livres théoriques de la période magnifique. Voilà pour mieux vous présenter un peu Scamozzi, vous voyez, qui part de Palladio pour revenir à Palladio en passant par Venise et par Savioletta, un beau destin d'architecte. Mais à ce point-là, au point où nous sommes, et pour fêter le théâtre, puisqu'on était au théâtre, je voulais vous parler un peu plus du théâtre au XVIe siècle. Parce que je crois que c'est important. J'ai avancé tout à l'heure qu'il s'en construisait de partout. Je ne vous en ai montré qu'un. Enfin, parlons un peu de théâtre pour vous en montrer d'autres. Le XVIe siècle, c'est l'époque de l'allégorie. Nous l'avons assez dit, je n'y reviens donc pas. On peint, on sculpte et on met en scène à outrance le temps, la mort, la gloire, la fortune, et que sais-je encore. Vous avez un très bel exemple ici, avec cette alambiquée, c'est le cas de dire, allégorie du temps et de la mort signée par Hans von Aachen. Chaque personnage dans cette composition à la fois savante et froide, sa place emblématique, et par là même, si vous le voulez, cette œuvre-là, je la considère comme le frontispice de ce coup. Paraître, mais ce goût d'un paraître savant, ce goût d'un paraître, si vous voulez, justifié par une culture intense, telle que le XVIe siècle l'a particulièrement aimé. Alors, à force de voir ça assez mûr, ben voyez-vous, on finit par y croire. Donc, le sens de l'allégorie devient le sens de la mascarade, c'est-à-dire que le prince devient une allégorie vivante. Le prince apprend à porter les vêtements allégoriques que vous voyez par exemple ici dans ce portrait de Primatis, c'est un des membres de la famille Sforza, représenté ici en dieu Mars. Et vous voyez qu'il n'est pas le prince, enfin, vous voyez qu'il est l'un des premiers à avoir inventé ces chaussettes à tête de lion que nous avons vu faire fortune dans les décors maniéristes que je vous ai présentés ces semaines passées. Alors vous voyez, de l'allégorie à cette mascarade emblématique, il n'y a qu'un pas, bien sûr. Et de la mascarade emblématique à la fête emblématique, il n'y en a qu'un autre. Donc, vivant au milieu des dieux, se déguisant en dieux, les princes vont finir par emprunter aux dieux leurs arts. Voilà un concert princier peint d'ailleurs par des tout grands peintres décorateurs du temps, c'est Niccolò della Porta, qui fait partie aujourd'hui du décor de l'université de Pologne. Autrement dit, avec ces trois tableaux que je voulais vous montrer, dans le goût qu'il a pour l'allégorie figurée, le prince du XVIe siècle finira par avoir le besoin de s'y intégrer. Il s'y intégrera d'abord comme figurant, mais il s'y intégrera plus vite comme acteur. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler de théâtre. Car en effet, tous ces princes de la Renaissance et du maniérisme, qu'ils soient italiens bien sûr, mais qu'ils soient aussi français, qu'ils soient même anglais, qu'ils soient allemands, qu'ils soient d'où vous voulez, tous ces princes ont tenu au fond à vivre ce vertige de la fiction qu'est le vertige du
théâtre. Et nous possédons de partout l'Europe une quantité de témoignages sous forme de gravures, sous forme de dessins préparatoires, sous forme même parfois de peintures, immortalisant les phases des grandes représentations du temps. J'en veux pour exemple, par exemple ceci, ce sont des projets de costumes pour une mascarade donnée à Florence. C'était le triomphe de Scipion pour Ferdinand de Médicis. Les costumes, donc. Au niveau du décor, maintenant, voilà un autre très beau dessin du temps, mais celui-ci français, c'est dû à Jean Cousin, dont j'aurai à vous parler, à vous reparler dans 15 jours, si je me souviens bien. Voilà donc le dessin de Cousin, qui est un décor pour une représentation de Hippolybe. S'il vous plaît. Hippolybe, j'ai cherché partout qui c'était, mais je ne sais toujours pas. Bien, c'est une dame qui a fait l'objet d'une pièce de théâtre. Voilà donc le décor de Hippolybe par Jean Cousin. Alors, non seulement les costumes sont somptueux, non seulement les décors sont somptueux, mais la machinerie est phénoménale à cette époque-là, car on risque tout pour célébrer la grandeur des princes. C'est ainsi qu'à l'époque de Catherine de Médicis et de ses fils, dans la cour de Fontainebleau, justement, on créera l'extraordinaire spectacle, transformant une pelouse de gazon en mer déchaînée pour mieux y faire arriver un bateau. Ce que vous avez là est un dessin de Dubois pour une représentation d'un Paris. Et ce que vous voyez, c'est dans les Ponts d'Hélène, par Paris, bien entendu. Le bateau, ça va de soi, est mécanique et arrivait peut-être car un quart sur les gazons, jouant bien entendu aux tempêtes déchaînées. Machinerie d'un luxe absolument extraordinaire. Alors bon, costume, nous l'avons vu, décor, nous l'avons vu, machinerie, nous venons de le voir et nous le voyons, concourait à faire de la mise en scène une œuvre absolument folle. Voilà par exemple un dessin d'Antoine Caron vous montrant l'attaque de l'île des Sauvages, spectacle créé en l'honneur de Catherine de Médicis et de Henri III, tout du grand jardin de Fontainebleau. La mer est naturellement un bassin artificiel, les galères sont vraies, l'île est fausse, bien entendu les sauvages de l'île aussi bien que les soldats attaquants sont vrais, c'est une joute nautique dans la plus parfaite tradition des naumachies que l'Antiquité a aimée. Eh bien voilà, pour vous montrer en quelques documents ce sens extravagant du spectacle et du paraître que le XVIe siècle a particulièrement prôné. Or, et c'est là que la chose me paraît intéressante, le théâtre de Sabbioneta se situe géographiquement entre deux autres théâtres que je vais vous présenter maintenant. L'un est à Mantoue, et il est un petit peu postérieur au théâtre de Vespasien. L'autre est à Vicence, et il est un tout petit peu antérieur au théâtre de Vespasien. Mais les deux théâtres, c'est-à-dire celui de Mantoue et celui de Vicence que vous allez voir, forment avec celui de Sabbioneta une sorte de triangle d'or. Vous aurez vu ce soir les trois plus beaux théâtres de l'Italie renaissante et magnifique. Alors commençons d'abord, si vous voulez bien, par Mantoue. Mantoue que vous découvrez ici avec sa lumière originale, c'est-à-dire la lumière de ses spectacles. Donc, pas du tout le grand éclairage dit d'ambiance qui règne chez nous, un éclairage qui va par torchère, comme vous pouvez voir. Alors, voilà ici le jeu de ces galeries étonnantes permettant au public de s'installer. Vous êtes en plein cœur de Mantoue ici, et le théâtre que je vous montre, c'est le théâtre scientifico, le théâtre scientifique qui a été créé par un des descendants de Vespasien Gonzague. Le décor que vous avez là est un décor entièrement de bois et de stuc traité en trompe-l'œil, avec un sens très implacable de la géométrie architecturale qui doit vous rappeler un tout petit peu Palladio. Mais je me permets de vous rappeler, aussi bien en matière de théâtre qu'en matière d'architecture, tout simplement, Palladio a dominé non seulement sa génération, mais son siècle, mais encore ses siècles. Voilà encore un autre détail de ces étonnants bossages formant une sorte de fausse ville, alors qu'il s'agit en fait simplement de loges de spectateurs. Car, et c'est l'originalité du théâtre scientifique, la scène et les loges sont traitées exactement dans le même ton. C'est-à-dire comme s'il s'agissait d'une ville de pierre. Vous allez découvrir maintenant, voilà, l'une des avant-scènes, toujours bois et stuc,
Mais regardez bien, voilà la scène. Et comme vous pouvez le voir, aucune différence donc entre scène et l'œuvre. Ce qui veut dire que, selon le modernisme du théâtre de ce temps-là, acteurs et spectateurs participent exactement à une même cause. Je veux dire, l'acteur sur la scène ou le figurant spectateur qui se trouve dans sa baignoire ou dans sa loge sont en fait dans une sorte de même lieu, esthétiquement et, si vous le voulez, géographiquement parlant. Et par là même, au fond, le spectacle se crée dans une sorte d'osmose étonnante entre public et spectacle, entre public et acteur, spectateur et acteur. Donc, avec le théâtre scientifique de Mantoue, l'une des très très grandes réussites du palladianisme, mais je me rappelle, plus tardif, bien entendu, que le théâtre de Sabionetta. Et maintenant, nous nous portons pour le troisième théâtre à Vicence, à l'autre bout du triangle d'or des théâtres du XVIe siècle. Je pense que deux, trois précisions ne sont pas mauvaises, mauvaises, pour vous rappeler comment est né le théâtre olympique qui demeure le plus beau théâtre ancien du monde. Je vous ai parlé ce soir de Sabionetta, ne me faites pas croire moi-même que je trouve celui de Sabionetta plus beau que celui de Vicence. On arrive maintenant au chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Vous savez que Venise a fait une aimable boulette culturelle, comme elle en a fait innombrables tout au long de son destin, en 1577. En 1577, le doge du pape et surtout le petit conseil étaient véritablement pas rigolo, dans une espèce de période d'austérité et surtout d'austérité des mœurs. Trois ans auparavant, on avait chassé toutes les courtisanes de Venise, ça avait été une belle faillite, mais enfin bon. Et continuant, on avait chassé les histrions de Venise. Je vous rappelle qu'un acteur de théâtre et qu'une actrice de théâtre, c'est un histrion. Donc, autrement dit, on avait chassé les acteurs de Venise. Chasser les acteurs, ça veut dire chasser les auteurs. Chasser les auteurs, c'est chasser les pièces, c'est chasser les théâtres. Tous les théâtres avaient fermé à Venise en 1577. Bien entendu que les Vénitiens ont besoin de théâtre, tout le monde a besoin de théâtre. Ce que les Vicentins avaient tout de suite compris. 1577, les théâtres de Venise sont fermés. 1578, celui de Vicence ouvre. Autrement dit, les Vicentins ont attiré chez eux les Vénitiens, puisque ce n'est pas fermé chez vous, venez chez nous. Et c'est ainsi que Vicence reprendra au bon, si vous le voulez, la balle que Venise vient de lui lancer. Alors, chose assez curieuse ou assez étonnante, Vicence voudra un théâtre unique au monde, le plus beau théâtre du monde. Il faut dire qu'à la tête de la culture à Vicence, il y a non pas un homme comme chez nous en terre vaudoise, mais un groupe d'hommes. Ces gens-là s'appellent l'Académie olympique. Par olympique, s'il vous plaît, vous entendez de l'Olympe. Rien à faire avec les Jeux, bien sûr. L'Académie de l'Olympe. L'Olympe, c'est le responsable de la musique, des spectacles, de la danse, etc. C'est l'Académie olympique. Décidons de créer un théâtre. Voilà pourquoi ils s'appellent d'ailleurs théâtre olympique. Il n'y a pas d'autre raison. Mais, chose assez curieuse, cette Académie olympique décide non pas de construire un théâtre, mais de donner une pièce de théâtre qu'on n'oubliera jamais dans l'histoire du monde. Puisqu'ils sont maintenant les représentants du nouveau théâtre, puisqu'ils portent la responsabilité de satisfaire même les princes de Venise, ils veulent donner comme première une représentation qu'on n'oubliera jamais. La pièce des pièces, avec les costumes des costumes, les machines des machines, des décors fabuleux. Eh bien, toute l'aventure du théâtre olympique commence le jour où l'Académie olympique de Vicence décide d'avoir une théâtrale inoubliable. La pièce est immédiatement choisie. Cette pièce, ce sera Œdipe, tyran de Thèbes, de Sophocle. Donc, n'importe quoi. Première des choses, on décide de la retraduire. Les traductions jusqu'à présent ne sont pas assez bonnes. Il en faut une beaucoup plus belle. Et c'est un des membres de l'Académie qui traduit. Il s'appelle Orsato Giustiniani. Il retraduit Œdipe, tyran de Thèbes. Il faut de la musique, car il y aura des chœurs, il y aura des intermèdes dansés. Donc il faut un musicien. Ah, celui-là, on peut aller le chercher à Venise. On va le chercher à Venise d'ailleurs. C'est Andrea Gabrielli. Parce qu'il a légué une œuvre assez importante. Ça ne suffit pas, il faut des costumes. Alors on va charger un costumier réputé du
temps, le 6 mai, et ce costumier lèvera 1700 dessins pour les costumes de la représentation. Il s'appelle Gianbattista Magenza. Il faut enfin ce qu'on appelait à l'époque un coordinateur, on dirait, je crois, aujourd'hui un metteur en scène. Cet homme-là, ce sera Angelo Insegnani. Et de concert, ce sacré collège va choisir en main l'architecte. Car, avec une traduction comme ça, une musique comme ça, des costumes comme ça, une mise en scène comme ça, il faut un théâtre comme ça. Et naturellement, on va chercher Palladio. Et Palladio crée, avec les membres de l'Académie Byzantine, l'œuvre que vous allez voir, c'est-à-dire le théâtre olympique, né par le hasard d'une malheureuse loi vénitienne, né surtout par le bénéfice d'une représentation qui devait être et qui a été inoubliable. Le 3 mars 1585, à 17h30, tapante, les portes du théâtre olympique s'ouvraient pour la première fois. Aujourd'hui, vous le savez bien, elles s'ouvrent encore exactement 3 siècles plus tard. Nous fêtons le tricentenaire du théâtre olympique cette année-ci, avec un festival extrêmement intéressant. 3 siècles après, les portes s'ouvrent encore et elles vont bien s'ouvrir pour nous. Alors, voilà l'entrée au théâtre olympique. Fausses ruines et fausses statues, et voilà la salle. Vous voyez tout simplement qu'en fait, c'est le théâtre de San Bionetta en plus grand. Je veux dire par là, il y a de nouveau les gradins, il y a de nouveau la loge, il y a de nouveau bien entendu les niches avec les sculptures, il y a bien entendu le portique, la balustrade et les statues de fête tout en haut, de façon à créer cette étrange trompe-l'œil de l'extérieur à l'intérieur, qui est le type, au moins disons, qui correspond au type du théâtre ex nihilo couvert, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, vous avez vu la partie de droite, voilà ici, ces niches et ces sculptures. Niches et sculptures qui d'ailleurs, selon la théorie de Palladio, sont dans cette noble alternance des niches en arche et des niches à plan carré, abritant des statues, en l'occurrence de terre cuite à Vicence, d'une extrême qualité. Il faut dire que les Vicentins ont lésiné sur rien et que les artistes qu'ils ont su se choisir sont parmi, vraiment, les grands ornementistes de la fin du XVIe siècle, voire même jusqu'au début du XVIIe siècle. Voilà le passage avec la scène. Car jusqu'à présent, vous n'avez vu donc que ce beau théâtre de gradins en hémicycle, sur lesquels on est aussi mal assis qu'on l'est, par exemple, à Orange, à Syracuse ou à Ségeste, pour citer l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, hormis en loge, et tout ce vaste hémicycle, vous regardez donc la scène. Alors la scène, la voici d'abord dans la mauvaise lumière d'une photo bien pragmatique, puis nous la verrons dans un petit moment un peu mieux. Mais alors, vous savez que la scène est faite de 2 parties. Elle a ce qu'on appelle un proscenium, c'est-à-dire la grande, disons, terrasse que vous avez au premier plan, sur lequel se passe l'essentiel de l'action, avec un décor fixe qui vous montre, au fond, un arc de triomphe gigantesque, avec ses pilastres, ses entablements, ses statues allégoriques, ses vertus théologales et ses vices cardinaux. Mais originalité extrême, ce décor fixe est prolongé par 3 perspectives, l'une axiale et 2 diagonales, formant des rues permettant l'arrivée des personnages, l'épiphanie des personnages, mais surtout la création par personnage interposé d'actions parallèles. Il peut se passer plusieurs récits concomitants en un seul et même lieu. Alors maintenant, on éteint un peu la lumière. Voilà ce que ça donne de nos jours. Voilà donc cette partie de la scène centrale. Vous savez sans doute, parce que c'est chose connue, qu'il s'agit d'un des plus beaux, si ce n'est le plus bel exemple d'anamorphose architecturale qui soit, puisque le sol monte infiniment à partir de la barre d'appui qui se trouve ici pour culminer à l'arc de triomphe qui se trouve là. Le plafond descend infiniment du ciel le plus haut à l'entrée au ciel le plus bas au portique. Et toutes les maisons que vous avez, les palais que vous découvrez ici, sont traitées dans d'absolus trompe-l'œil architecturaux, ce qui fait que un personnage qui apparaît ici au fond paraît être un géant colossal, bien entendu,
dans une architecture qui est anamorphique. Les metteurs en scène en tiraient le parti miraculaire que vous pouvez imaginer et que goûtaient les spectateurs du temps. Chose extraordinaire d'ailleurs, c'est beau lorsqu'on est en haut, vous avez vu la grande rue semblait plongée, c'est beau aussi lorsqu'on est en bas, regardez ici, l'espace se recompose, autrement dit, où que l'on soit et où qu'on se place, sans cesse, cette rue reprend une sorte de, presque de vertu d'authenticité qui est étonnante. Mais regardez ce panneau sur les latéraux, si vous êtes placé sur les côtés, complètement sur les côtés, vous n'êtes pas prétérité pour autant, puisque la rue se réarticule de nouveau, vous pouvez le voir ici, en une sorte d'étonnant carrefour, si vous vous trouvez dans la partie de droite du théâtre, ou alors elle se recompose si vous êtes dans la partie de gauche, là aussi, en carrefour et place. Autrement dit, l'espace illusionniste créé par Palladio est d'une telle intelligence à l'œil que où que l'on soit, en haut, en bas, extrême droite ou extrême gauche, vous recomposez en quelque sorte un lieu intérieur qui est toujours d'un rationalisme des sens parfait. Et comme si ça ne suffisait pas, cette première ouverture, l'ouverture centrale que nous venons de traquer d'en haut, d'en bas et de côté, est prolongée par deux rues latérales en diagonale, l'une à droite, l'autre à gauche, dont vous avez ici un exemple, celle de droite. Tout l'ensemble de cette scène inestimable est fait sur des dessins de Palladio, par Scamozzi, puisque Palladio était mort entre-temps, en bois et en stuc. Admirez donc le miracle qui veut qu'aujourd'hui encore nous voyions ça dans un état qui est à très peu de choses près l'état original. Donc véritablement, avec le théâtre olympique de Palladio, l'un des plus beaux exemples que l'on puisse voir de scénographie. Il faut conclure, j'en arrive là, et je voulais conclure sur un dessin que je trouve merveilleux, d'abord parce qu'il est d'une qualité étonnante, parce qu'il est d'une étrangeté très curieuse, parce qu'il est aussi signé par un artiste dont je vous reparlerai, c'est Primatis. Et ce dessin, un lamy d'une subtilité étonnante, forme tout à fait une conclusion idéale pour le sujet dans lequel nous avons fini aujourd'hui, c'est-à-dire le théâtre et le paraître au XVIe siècle. Ce que vous avez là, c'est tout simplement la préparation pour la mascarade de Persépolis. Autrement dit, il y a eu un grand spectacle florentin qui s'appelait la mascarade de Persépolis. Primatis s'est simplement amusé à aller voir en coulisses comment ça se passait. Vous avez donc ici les coulisses avec les acteurs en train de se préparer au spectacle. Et par là même, vous pouvez voir que décidément, le XVIe siècle est bel et bien le siècle du paraître. Alors j'espère, disons, que cette sorte de point d'orgue sur le rêve à la Renaissance, à propos de l'Espagne Gonzague et ce petit développement sur le théâtre, a su retenir votre attention. Virgule, dont je vous remercie de la longueur. Courant, mais pas loin. On a joué trois fois de son vivant seulement au théâtre à l'antique. Toujours est-il, il l'a fait construire par un des grands spécialistes du temps, Vincenzo Scamozzi, architecte de Vicence. Alors, je vais d'abord vous le montrer, puis je vous reparlerai de Scamozzi, parce que certainement été le plus extraordinaire des collaborateurs de Vespasien Gonzague. Alors, voyons maintenant cet étonnant théâtre. Là aussi, le théâtre de Sabbioneta a une chance exceptionnelle. Il est dans un état de conservation exceptionnel. Hormis, hélas, la scène. La scène, en effet, le mur du fond de la scène qui portait une architecture a été détruit au moment de la dernière guerre par un incendie. Par contre, l'orchestra, la cavea et surtout la partie que vous avez devant vous, c'est-à-dire la partie des loges et du public, sont dans l'état de l'époque. C'est une construction en briques, mais qui cette fois-ci a été revêtue, comme vous pouvez le voir, de façon à jouer à la noblesse de l'architecture antique. Alors, nous sommes là au niveau des spectateurs, il y a une loge, qui en l'occurrence est la loge princière, se prolongeant par, comme il se doit, un promenoir très important dans l'éthique de l'époque, le tout soutenu par un magnifique portique sur lequel, pour faire illusion, on a mis des statues. Illusion de quoi? Tout simplement illusion d'extérieur. Je vous rappelle que jusqu'alors, tous les théâtres avaient été des théâtres extérieurs. Scamozzi est l'un des premiers à avoir créé un théâtre
intérieur. L'un des premiers. Oh, je vous entends déjà dire que Palladio l'avait fait avant. Je me permets simplement de vous rappeler que Scamozzi et Palladio travaillaient main dans la main et que s'ils ont créé quelque chose, c'est en même temps et de concert. Autrement dit, le théâtre de Vicence, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais dont je vous parlerai, est absolument contemporain de celui de Savionetta. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, voilà donc ce magnifique portique en briques recouvertes. Voilà donc ces sculptures qui permettent à ce portique de donner l'illusion de l'extérieur, car en effet, l'échelle se tronquant, si vous le voulez, on a l'impression que le plafond se repousse extrêmement loin. Les sculptures sont en stuc, bien entendu. Vous pouvez d'ailleurs le voir, elles ont les genoux qui s'écaillent, ces dames et ces messieurs. Créant, comme je vous l'ai dit, ménageant, si vous le préférez, comme je vous l'ai dit, un déambulatoire intérieur dans lequel, avec ce sens du trompe-l'œil très cher au XVIe siècle, on a prolongé l'architecture en créant un deuxième portique ouvrant sur des niches orfévrées véritablement, abritant de fausses statues, c'est-à-dire peintes en camailleux de gens lestes de l'architecture antique. Alors, nous sommes là au niveau des spectateurs, il y a une loge, qui en l'occurrence est la loge princière, se prolongeant par, comme il se doit, un promenoir très important dans l'éthique de l'époque, le tout soutenu par un magnifique portique sur lequel, pour faire illusion, on a mis des statues. Illusion de quoi? Tout simplement illusion d'extérieur. Je vous rappelle que jusqu'alors, tous les théâtres avaient été des théâtres extérieurs. Scamozzi est l'un des premiers à avoir créé un théâtre intérieur. L'un des premiers. Oh, je vous entends déjà dire que Palladio l'avait fait avant. Je me permets simplement de vous rappeler que Scamozzi et Palladio travaillaient main dans la main et que s'ils ont créé quelque chose, c'est en même temps et de concert. Autrement dit, le théâtre de Vicence, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais dont je vous parlerai, est absolument contemporain de celui de Savionetta. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, voilà donc ce magnifique portique en briques recouvertes. Voilà donc ces sculptures qui permettent à ce portique de donner l'illusion de l'extérieur, car en effet, l'échelle se tronquant, si vous le voulez, on a l'impression que le plafond se repousse extrêmement loin. Les sculptures sont en stuc, bien entendu. Vous pouvez d'ailleurs le voir, elles ont les genoux qui s'écaillent, ces dames et ces messieurs. Créant, comme je vous l'ai dit, ménageant, si vous le préférez, comme je vous l'ai dit, un déambulatoire intérieur dans lequel, avec ce sens du trompe-l'œil très cher au XVIe siècle, on a prolongé l'architecture en créant un deuxième portique ouvrant sur des niches orfévrées véritablement, abritant de fausses statues, c'est-à-dire peintes en camailleux de jaune et d'ocre, la représentation des grands poètes épiques et tragiques de l'Antiquité. Voilà l'entrée du promenoir, c'est-à-dire par là où entrait le duc Vespasien. Et voilà justement ces fameuses fresques en trompe-l'œil montrant les grands poètes tragiques et comiques de l'Antiquité. Ici, Plaute, par exemple. Pourquoi Plaute? Je vous dirai tout de suite parce que c'est écrit dessus. Mais il n'y a pas de reconnaissance particulière à ces personnages qui sont d'ailleurs d'une esthétique un tout petit peu... Deuxième, celui-là c'est Terence. Avec une curieuse épée avec des petits chiens. Voilà Ovid déposant sa couronne de laurier. Bien. Jusqu'à présent, nous avons donc vu la loge ducale avec son. Voilà l'entrée du promenoir, c'est-à-dire par là où entrait le duc Vespasien. Et voilà justement ces fameuses fresques en trompe-l'œil montrant les grands poètes tragiques et comiques de l'Antiquité. Ici, Plaute, par exemple. Pourquoi Plaute? Je vous dirai tout de suite parce que c'est écrit dessus. Mais il n'y a pas de reconnaissance particulière à ces personnages qui sont d'ailleurs d'une esthétique un tout petit peu... Deuxième, celui-là c'est Terence. Avec une curieuse épée avec des petits chiens.
Bien. Jusqu'à présent, nous avons donc vu la loge ducale avec son faux portique, le déambulatoire qui la prolonge avec ses fausses niches et ses fausses statues. La scène, comme je vous l'ai dit, a en partie disparu. Le mur du fond n'existe strictement plus. Vous me direz que j'aurais bien pu vous en amener une photo pour que vous voyez, mais je dois vous avouer qu'il a été tout récemment repeint dans l'Ac de Côme, tellement épouvantable, que je vous montre donc les côtés latéraux de cette scène qui, eux, ont par miracle conservé leur décor d'époque. Sauf que, au moment où un festival a été créé à Savioneta, c'est-à-dire en 71, on s'est cru obligé, sécurité nécessitant, de tailler une porte complète dite de secours dans la fresque décorative. Ça, c'est une autre histoire. Alors, là, le mur du fond représentait vraisemblablement un palais. Vraisemblablement, je vous le dis bien, vraisemblablement. Les murs latéraux représentent l'un, l'infini d'un paysage, côté jardin, l'autre, le fini d'une maison patricienne, côté cour. Si vous voulez, c'est exactement la répartition classique du décor classique d'un théâtre classique. Et je me permets de vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, Scamozzi a créé pour Vespasien Gonzaga Savioneta l'un des premiers théâtres classiques du genre. Voilà donc le côté jardin, avec une ouverture sur le paysage et sur l'infini, et je pense que vous aurez tous reconnu un paysage idéal de Rome, avec au premier plan le château Saint-Ange. Pourquoi le château Saint-Ange? Parce que si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai dit depuis presque 2 heures maintenant, le papa de Vespasien avait participé au sac de Rome et avait protégé le pape réfugié au château Saint-Ange. C'est un coup de chapeau pour ça complémentaire. Bien. En face, donc, il y a côté cour, c'est-à-dire côté appelons sa ville, avec une peinture extraordinaire représentant une maison, vous le voyez, avec des fenêtres. Curieux décor, semble-t-il, de type d'orfèvre, qui n'est plus du tout une œuvre simplement ornementale, mais vraiment une grande œuvre de sculpture sur bois. C'est en effet, regardez le corps et surtout le drapé de cet ange, l'un des plus beaux exemples sur bois de modelé maniériste que l'on puisse voir. Ce plafond de l'ange tenant les armes d'Espasien Gonzague est donc, lui aussi, unique en son genre. De même que d'ailleurs, le plus riche de tous, le caisson d'or représentant dans leur miroir les armes de Gonzague portées, comme vous pouvez le voir, par deux lions. Là encore, une œuvre d'une très grande importance pour qui veut connaître les arts mineurs en Italie. Je vous ai dit que Savioneta, c'était l'idéal réunion des arts majeurs et mineurs, peinture, sculpture, travail de bois, marqueterie de bois, que l'on puisse voir en Italie. Peut-être pas toujours absolument génial, surtout pas la peinture, ça vous le confesse, mais enfin. Mais il nous reste bien d'autres choses à découvrir, ça va de soi. On va d'ailleurs maintenant sombrer tout de suite dans l'insolite. Voilà. La cavalcade héroïque, les cavaliers de l'apocalypse de la dynastie. Voilà, grandeur nature en bois, stucqué et peint au naturel. Voilà les antennati de Vespasien. On raconte que Vespasien avait fait sculpter ces 4 effigies grandeur nature de façon à ce qu'elles lui soient associées au moment des fêtes princières et ducales de Savioneta. Autrement dit, comme un vieux romain, vous voyez le danger d'être cultivé, comme un vieux romain, il promenait avec lui ses mânes et on mettait donc ses statues sur roulettes en les associant à au faste des cérémonies. Ça peut vous faire sourire, ça ferait certainement sourire au XXe siècle, je crois que ça pourrait être assez rigolo. Hein. Ça peut vous faire sourire aujourd'hui, ça ne faisait pas sourire au XVIe siècle, car je vous rappelle que dans la Rome antique que l'on prétendait faire revivre, il n'était pas de cérémonie officielle où l'on associe les effigies de ses ancêtres. Voilà donc en quoi Vespasien se montre être un descendant, appelons-le respectueux, des coutumes de son passé. Ces 4 effigies nous montrent donc le marquis Ludovic, ça reprend si vous le voulez à peu près toute la généalogie que je vous racontais tout à l'heure, le marquis Ludovic, celui donc de l'époque de Mantegna que vous avez ici. On découvre également Frédéric, et enfin, voilà, Vespasien Gonzague lui-même. En effet, à la fin de sa vie, alors que ses douleurs lancinantes à la tête l'empêchent
empêcher de paraître, c'est sa statue qui présidait aux fêtes de Sabbioneta. Ce groupe de cas, avec ce sens du trompe-l'œil très cher au XVIe siècle, on a prolongé l'architecture en créant un deuxième portique ouvrant sur des niches orfévrées véritablement, abritant de fausses statues, c'est-à-dire peintes en camailleux de jaune et d'ocre, la représentation des grands poètes épiques et tragiques de l'Antiquité. Voilà l'entrée du promenoir, c'est-à-dire par là où entrait le duc Vespasien. Et voilà justement ces fameuses fresques en trompe-l'œil montrant les grands poètes tragiques et comiques de l'Antiquité. Ici, Plaute, par exemple. Pourquoi Plaute? Moi, je vous dirai tout de suite parce que c'est écrit dessus. Mais il n'y a pas de reconnaissance particulière à ces personnages qui sont d'ailleurs d'une esthétique un tout petit peu... Puis on voit la deuxième, celui-là c'est Terence. Que vous découvrez ici pour la première fois, mais que nous redécouvrirons bien entendu
de lieu en lieu. Rien n'y manque, vous voyez. Colonne, chapiteau ionique, colonnette, colonnette torsadée, brûle-parfum, peau pourrie, plainte, tout y est, même les triglyphes à l'antique. C'est par excellence le répertoire de l'endomanisme du temps. Et vous voyez que, tout au long de la salle, ça c'en est un détail, on a peint une fausse colonnade, donnant sur une fausse loggia, ouvrant sur une fausse ville. Et bien entendu, vous voyez celle que j'ai de droite et de gauche de grands bâtiments, au milieu desquels trône l'obélisque d'Égypte, qui à la fin du XVIe siècle semblait déjà l'un des symboles essentiels de la grandeur et du pouvoir. Pour animer cette architecture extrêmement épurée, et elle aussi extrêmement austère, il y a bien entendu des invités. Ces invités, ce sont les muses, les demi-dieux et les dieux. Le vide, appelons le biographique de la salle, était comme exorcisé par l'omniprésence de figures allégoriques qui, un petit peu michel-angélesque, un petit peu rapacité du décor. Vous voyez, il y a des colonnades qui continuent la colonnade, il y a des arches qui prolongent les arches, il y a des perspectives ouvrantes et de droite et de gauche sur une sorte de sapionetta irréelle. Et fait en tout cela, bien entendu, il y a les arbres de Vespasien, Gonzague, que vous découvrez ici pour la première fois, mais que nous redécouvrirons, bien entendu, de lieu en lieu. Rien n'y manque, vous voyez. Colonne, chapiteau ionique, colonnette, colonnette torsadée, brûle-parfum, peau pourrie, plainte, tout y est, même les triglyphes à l'antique. C'est par excellence le répertoire de l'endomanisme du temps. Et vous voyez que, tout au long de la salle, ça c'en est un détail, on a peint une fausse colonnade, donnant sur une fausse loggia, ouvrant sur une fausse ville. Et bien entendu, vous voyez celle que j'ai de droite et de gauche de grands bâtiments, au milieu desquels trône l'obélisque d'Égypte, qui à la fin du XVIe siècle semblait déjà l'un des symboles essentiels de la grandeur et du pouvoir. Pour animer cette architecture extrêmement épurée, et elle aussi extrêmement austère, il y a bien entendu des invités. Ces invités, ce sont les muses, les demi-dieux et les dieux. Le vide, appelons le biographique de la salle, était comme exorcisé par l'omniprésence de figures allégoriques qui, un petit peu michel-angélesque, un petit peu raphaélisante, très jules romanisante, mais avouons bien, de qualité très moyenne, viennent comme ça planer au-dessus de vous. Il y a des quantités de ces figures féminines, il y a aussi, et par multiplié par 10, des quantités de petits divers dont, avec ce sens de l'humour très particulier du XVIe siècle, l'un même a l'irrévérence de vous faire pipi dessus. Puis en dessous, il y a habilement tracé un grand décor de marbre marqueté sur le plat parfait du plâtre, car une fois de plus, il ne s'agit surtout pas de jouer l'illusion. Vespasien, Gonzague est rigoureuse à l'extrême, les murs de cette salle gigantesque sont aussi plats que ses rêves. Et là-dessus, on greffe donc le faux semblant du décor à fresque dont vous avez ici l'un des éléments. Maintenant, nous allons parcourir les salles de ce palais. Dans les salles de ce palais, vous allez découvrir un décor peint, c'est une évidence. Et dans ce décor peint, vous allez découvrir tous les grands cycles auxquels notre étude depuis quelques semaines nous a habitués. C'est ainsi qu'il y aura un cycle épique racontant les grandes heures de l'Antiquité, les grandes heures des demi-dieux et des dieux. Il y aura aussi un cycle dynastique, c'est-à-dire un cycle qui raconte les grandes heures de la vie du Seigneur. Et autant que possible, l'un se mêle à l'autre. Mythologie. Faire autre chose. Mais Scamondi n'a pas fait autre chose, il a fait du palladium. Il a fait du sous-palladium, il a fait du palladium. Dans sa jeunesse, en effet, il a froidement imité le style de palladium de très peu son nez. C'est ainsi que vous pouvez voir à Lonigo, que vous connaissez peut-être, une villa de la famille Pisani qui s'appelle Villa Rocca Pisani. Et cette très belle villa, Villa Rocca Pisani, quand on y arrive, crée toujours une angoisse épouvantable parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, je me suis trompé de route, c'est la rotonde, le palladium. Puis on se dit, mais c'est quand même pas tout à fait la rotonde, mais c'est la rotonde. Mais c'est la rotonde sans être la rotonde. Mais voilà, ça, c'est Scamondi. Scamondi au début. C'est toujours palladium, mais pas tout à fait ça. C'est toujours un petit peu, pas assez, puis juste un petit peu trop, si vous voulez.
Mais à côté de ça, ce sont la plupart du temps des pastiches, avouons-les, relativement serviles de Palladio. Heureusement, il fera ce qu'il aurait dû faire plus tôt, il quittera Vicence et il s'éloignera de Palladio. Dès lors, il commencera une carrière qu'on pourrait appeler une carrière personnelle. Et c'est ainsi qu'on lui doit un monument que vous connaissez tous, un monument que vous avez partout, tous, un monument dans lequel vous avez bu un café ou un chocolat, tous, et peut-être que vous ne le saviez pas, vous y êtes tous fait photographier, j'en suis sûr, parce que c'est à Venise, parce que c'est sur la place Saint-Marc, c'est simplement les nouvelles procurations, là où se trouve le café Florian, voilà. Eh bien, c'est une œuvre de Scamozzi, c'est la première œuvre de libération de Scamozzi. Il s'est enfin dépalladianisé et il commençait alors cette carrière nouvelle qui a été la sienne. Alors, il a construit ses nouvelles procuraties, puis ensuite, il a travaillé pour Vespasien, Gonzaga, Sabionetta, notamment au théâtre, et le théâtre lui a amené une telle notoriété que c'est lui qu'on a choisi, étrange fatalité du destin, pour achever le théâtre que Palladio venait de laisser inachevé, ce théâtre olympique de Vicence. Le fameux théâtre olympique, je vous le rappelle, était en chantier quand Palladio est mort, et bien c'est Scamozzi qui ira le lui terminer. Nous en reparlerons, mais dans un moment. Je vous signale qu'il a écrit, c'est ainsi qu'en 1615, partir à Venise, son idea dell'architettura universale, idée sur l'architecture universelle, dans les plus grands livres théoriques de la période magnifique. Voilà pour mieux vous présenter un peu Scamozzi, vous voyez, qui part de Palladio pour revenir à Palladio en passant par Venise et par Sabionetta, un beau destin d'architecte. Mais à ce point-là, au point où nous sommes, et pour fêter le théâtre, puisqu'on était au théâtre, je voulais vous parler un peu plus. Les théâtres de Venise sont fermés, 1578, celui de Vicence ouvre. Autrement dit, les Vicentins ont attiré chez eux les Vénitiens, puisque ce n'est pas fermé chez vous, venez chez nous. Et c'est ainsi que Vicence reprendra au bon, si vous le voulez, la balle que Venise vient de lui lancer. Alors, chose assez curieuse ou assez étonnante, Vicence voudra un théâtre unique au monde, le plus beau théâtre du monde. Il faut dire qu'à la tête de la culture, à Vicence, hein, il y a non pas un homme comme chez nous en terre vaudoise, mais un groupe d'hommes. Ces gens-là s'appellent l'Académie Olympique. Par olympique, s'il vous plaît, vous entendez de l'Olympe. Rien à faire avec les Jeux, bien sûr. L'Académie de l'Olympe. L'Olympe, c'est le responsable de la musique, des spectacles, la danse, etc. Cette académie olympique décide donc de créer un théâtre. Voilà pourquoi il s'appelle d'ailleurs théâtre olympique, il n'y a pas d'autre raison. Mais, chose assez curieuse, cette académie olympique décide non pas de construire un théâtre, mais de donner une pièce de théâtre qu'on n'oubliera jamais dans l'histoire du monde. Puisqu'ils sont maintenant les représentants du nouveau théâtre, puisqu'ils portent la responsabilité de satisfaire même les princes de Venise, ils veulent donner comme première une représentation qu'on n'oubliera jamais. La pièce des pièces, avec les costumes des costumes, les machines des machines, les décors fabuleux. Eh bien, toute l'aventure du théâtre olympique commence le jour où l'Académie olympique de Vicence décide d'avoir une théâtrale inoubliable. La pièce est immédiatement choisie. Cette pièce, ce sera Œdipe, tyran de Thèbes, de Sophocle. Donc, n'importe quoi. Première des choses, on décide de la retraduire. Les traductions jusqu'à présent ne sont pas assez bonnes. Il en faut une beaucoup plus belle. Et c'est un des membres de l'Académie qui traduit. Il s'appelle Orsato Giustiniani. Il retraduit Œdipe, tyran de Thèbes. Il faut de la musique. Car il y aura des chœurs, il y aura des interprètes dansés. Donc il faut un musicien. Ah, celui-là, on peut aller le chercher à Venise. On va le chercher à Venise d'ailleurs. C'est Andrea Gabrielli, que vous connaissez certainement, parce qu'il a légué une œuvre assez importante. Ça ne suffit pas, il faut des costumes. Eh bien, on va chercher un costumier, le plus réputé du temps, de s'y mettre. Et ce costumier lèvera 1700 dessins pour les costumes de la représentation. Il s'appelle Gian Battista Magenza.
Il faut en faire ce qu'on appelait à l'époque un coordinateur, on dirait, je crois, aujourd'hui un metteur en scène. Cet homme-là, ce sera Angelo Insegnari. Et de conseil, au 17e siècle, voire même jusque au début du 17e siècle, voilà le passage avec la scène. Car jusqu'à présent, vous n'avez vu donc que ce beau théâtre de gradins en hémicycle, sur lesquels on est aussi mal assis qu'on l'est, par exemple à Orange, à Syracuse ou à Ségeste, pour citer l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, hormis en loge, et tout ce vaste hémicycle, il regarde donc la scène. Alors la scène, la voici d'abord dans la mauvaise lumière d'une photo bien pragmatique, puis nous la verrons dans un petit moment un peu mieux. Mais alors, vous savez que la scène est faite de deux parties. Elle a ce qu'on appelle un proscenium, c'est-à-dire la grande, disons, terrasse que vous avez au premier plan, sur lequel se passe l'essentiel de l'action, avec un décor fixe qui vous montre, au fond, un arc de triomphe gigantesque, avec ses pilastres, ses entablements, ses statues allégoriques, ses vertus théologales et ses vices cardinaux. Mais originalité extrême, ce décor fixe est prolongé par trois perspectives, l'une axiale et deux diagonales, formant des rues permettant l'arrivée des personnages, l'épiphanie des personnages, mais surtout la création par personnage interposé d'actions parallèles. Il peut se passer plusieurs récits concomitants en un seul et même lieu. Alors maintenant qu'on éteint un peu la lumière, voilà ce que ça donne de nos jours. Voilà donc cette partie de la scène centrale. Vous savez sans doute, parce que c'est chose connue, qu'il s'agit d'un des plus beaux, si ce n'est le plus bel exemple d'anamorphose architecturale qui soit, puisque le sol monte infiniment à partir de la barre d'appui qui se trouve ici pour culminer à l'arc de triomphe qui se trouve là. Le plafond descend infiniment du ciel le plus haut à l'entrée au ciel le plus bas au portique. Et toutes les maisons que vous avez, les palais que vous découvrez ici, sont traitées dans d'absolus trompe-l'œil architecturaux, ce qui fait que un personnage qui apparaît ici au fond paraît être un géant colossal, bien entendu, dans une architecture qui est anamorphique. Les metteurs en scène en tiraient le parti miraculaire que vous pouvez imaginer et que goûtaient les spectateurs du temps. Chose extraordinaire d'ailleurs, c'est beau lorsqu'on est en haut, vous avez vu la grande rue semblait plongée, c'est beau aussi lorsqu'on est en bas, regardez ici, l'espace se recompose, autrement dit, où que l'on soit et d'où qu'on se place, sans cesse, cette rue reprend une sorte de, presque de vertu d'authenticité qui est étonnante. Mais regardez ce que ça donne sur les latéraux, si vous êtes placé sur les côtés, complètement sur les côtés, vous n'êtes pas prétérité pour autant, puisque la rue se réarticule de nouveau. Vous pouvez le voir ici, comme le goût du maniérisme le veut, est un étonnant décor en trompe-l'œil que vous allez découvrir. Voilà. Prolongeant encore, avec une certaine habileté d'ailleurs, l'immensité du décor. Vous voyez, il y a des colonnades qui continuent la colonnade, il y a des arches qui prolongent les arches, il y a des perspectives ouvrantes et de droite et de gauche sur une sorte de sabionetta irréelle. Et fait en tout cela, bien entendu, il y a les arbres de Vespasien Gonzague que vous découvrez ici pour la première fois, mais que vous redécouvrirez bien entendu de lieu en lieu. Rien n'y manque, vous voyez, colonnes, chapiteaux ioniques, colonnettes, colonnettes torsadées, brûle-parfum, pot pourri, plinthe, tout y est, même les triglyphes à l'antique. C'est par excellence le répertoire de l'ornementalisme du temps. Et vous voyez que, tout au long de la salle, ça c'en est un détail, on a peint une fausse colonnade, donnant sur une fausse loggia, ouvrant sur une fausse ville. Et bien entendu, vous voyez s'ériger de droite et de gauche de grands bâtiments, au milieu desquels trône l'obélisque d'Égypte, qui à la fin du XVIe siècle semblait déjà l'un des symboles essentiels de la grandeur et du pouvoir. Pour animer cette architecture extrêmement épurée, et elle aussi extrêmement austère, il y a bien entendu des invités. Ces invités, ce sont les muses, les demi-dieux et les dieux. Le vide, appelons le biographique de la salle, était comme exorcisé par l'omniprésence de figures allégoriques qui, un petit peu michel-angélesque, un petit peu raphaélisante, très jules romanisante, mais avouons bien, de qualité très moyenne,
viennent comme ça planer au-dessus de vous. Il y a des quantités de ces figures féminines, il y a aussi, et par multiplié par 10, des quantités de petits divers dont, avec ce sens de l'humour très particulier du XVIe siècle, l'un même a l'irrévérence de vous faire pipi dessus. Puis en dessous, il y a habilement tracé un grand décor de marbre marqueté sur le plat parfait du plâtre, car une fois de plus, il ne s'agit surtout pas de jouer l'illusion. Vespasien Gonzague est rigoureux qu'à l'extrême, les murs de cette salle gigantesque sont aussi plats que ses rêves. Et là-dessus, on greffe donc le faux semblant du décor à fresque dont vous avez ici l'un des éléments. Maintenant, nous allons parcourir les salles de ce palais. Dans les salles de ce palais, vous allez découvrir un décor peint, c'est une évidence. Et dans ce décor peint, vous allez découvrir tous les grands cycles auxquels notre étude depuis quelques semaines nous a habitués. C'est ainsi qu'il y aura un cycle épique racontant les grandes heures de l'Antiquité, les grosses villes. Et bien entendu, vous voyez s'ériger de droite et de gauche de grands bâtiments, au milieu desquels trône l'obélisque d'Égypte, qui à la fin du XVIe siècle semblait déjà l'un des symboles essentiels de la grandeur et du pouvoir. Pour animer cette architecture extrêmement épurée et elle aussi extrêmement austère, il y a bien entendu des invités. Ces invités, ce sont les muses, les demi-dieux et les dieux. Le vide, appelons le biographique de la salle, était comme exorcisé par l'omniprésence de figures allégoriques qui, un petit peu michel-angélesque, un petit peu raphaélisante, très jules romanisante, mais avouons bien, de qualité très moyenne, viennent comme ça planer au-dessus de vous. Il y a des quantités de ces figures féminines, il y a aussi, et par multiplié par 10, des quantités de petits divers dont, avec ce sens de l'humour très particulier du XVIe siècle, l'un même a l'irrévérence de vous faire pipi dessus. Puis en dessous, il y a habilement tracé un grand décor de marbre marqueté sur le plat parfait du plâtre, car une fois de plus, il ne s'agit surtout pas de jouer l'illusion. Vespasien Gonzague est rigoureux qu'à l'extrême, les murs de cette salle gigantesque sont aussi plats que ses rêves. Et là-dessus, on greffe donc le faux semblant du décor à fresque dont vous avez ici l'un des éléments. Maintenant, nous allons parcourir les salles de ce palais. Dans les salles de ce palais, vous allez découvrir un décor peint, c'est une évidence. Et dans ce décor peint, vous allez découvrir tous les grands cycles auxquels notre étude depuis quelques semaines nous a habitués. C'est ainsi qu'il y aura un cycle épique racontant les grandes heures de l'Antiquité, les grandes heures des demi-dieux et des dieux. Il y aura aussi un cycle dynastique, c'est-à-dire un cycle qui raconte les grandes heures de la vie du Seigneur, et autant que possible, l'un se mêle à l'autre. Mythologie et histoire s'entrelardent de façon à créer une sorte de flatteuse compromission entre le réel et l'irréel. Et enfin, un troisième niveau de cycle nous amènera au pur décor, à l'ornementisme du siècle, des grotesques, dont vous découvrirez quelques beaux exemples. Cycle épique d'abord. Vespasien Gonzague est un prince de la Renaissance et comme tous les princes de la Renaissance, il rêve des grandeurs passées. Donc, référence à la grande période romaine. Voilà une fresque vous montrant le cirque Maxime à Rome, tel que les historiographes antiquaires le restituaient. Et juste à côté, histoire de créer ce fameux vertige des siècles, voilà l'image d'un impérator romain dans lequel on peut se plaire, de Médici et de ses fils. Dans la cour de Fontainebleau, justement, on créera l'extraordinaire spectacle, transformant une pelouse de gazon en mer déchaînée pour mieux y faire arriver un bateau. Ce que vous avez là est un dessin de Dubois pour une représentation d'un Paris. Et ce que vous voyez, c'est dans les Monts d'Hélène par Paris, bien entendu. Le bateau, ça va de soi, est mécanique et arrivait peut-être car un car sur les gazons, jouant bien entendu aux tempêtes déchaînées. Machinerie d'un luxe absolument extraordinaire. Alors bon, costume, nous l'avons vu, décor, nous l'avons vu, machinerie, nous venons de le voir et nous le voyons, concourait à faire de la mise en scène une œuvre absolument folle.
Voilà par exemple un dessin d'Antoine Caron vous montrant l'attaque de l'île des Sauvages, spectacle créé en l'honneur de Catherine de Médicis et de Henri III du Grand Jardin de Fontainebleau. La mer est naturellement un bassin artificiel, les galères sont vraies, l'île est fausse. Bien entendu, les sauvages de l'île, aussi bien que les soldats attaquants sont vrais, c'est une joute nautique dans la plus parfaite tradition des naumachies que l'Antiquité a aimée. Eh bien voilà, pour vous montrer en quelques documents, ce sens extravagant du spectacle et du paraître que le XVIe siècle a particulièrement prôné. Or, et c'est là que la chose me paraît intéressante, le théâtre de Sabbioneta se situe géographiquement entre deux autres théâtres que je vais vous présenter maintenant. L'un est à Mantoue, et il est un petit peu postérieur au théâtre de Vespasien. L'autre est à Vicence, et il est un tout petit peu antérieur au théâtre de Vespasien. Mais les deux théâtres, c'est-à-dire celui de Mantoue et celui de Vicence que vous allez voir, forment avec celui de Sabbioneta une sorte de triangle d'or. Vous aurez vu ce soir les trois plus beaux théâtres de l'Italie renaissante et maniériste. Alors commençons d'abord, si vous voulez bien, par Mantoue. Mantoue que vous découvrez ici avec sa lumière originale, c'est-à-dire la lumière de ses spectacles. Donc, pas du tout le grand éclairage dit d'ambiance qui règne chez nous, un éclairage qui va par torchère, comme vous pouvez voir. Alors, voilà ici le jeu de ces galeries étonnantes permettant au public de s'installer. Vous êtes en plein cœur de Mantoue, ici, et le théâtre que je vous montre, c'est le théâtre scientifico, le théâtre scientifique qui a été créé par l'un des descendants de Vespasien Gonzague. Le décor que vous avez là est un décor entièrement de bois et de stuc traité en trompe-l'œil, avec un sens implacable de la banque pas. On peint, on sculpte et on met en scène à outrance le temps, la mort, la gloire, la fortune et que sais-je encore. Vous avez un très bel exemple ici avec cette alambiquée, c'est le cas de dire, allégorie du temps et de la mort signée par Hans von Aachen. Chaque personnage dans cette composition à la fois savante et froide a sa place emblématique et par là même, si vous le voulez, cette œuvre-là, je la considère comme le frontispice de ce goût du paraître, mais ce goût d'un paraître savant, ce goût d'un paraître, si vous voulez, justifié par une culture intense, telle que le XVIe siècle l'a particulièrement aimé. Alors, à force de voir ça assez mûr, ben voyez-vous, on finit par y croire. Donc, le sens de l'allégorie devient le sens de la mascarade, c'est-à-dire que le prince devient une allégorie vivante. Le prince apprend à porter les vêtements allégoriques que vous voyez par exemple ici dans ce portrait de Privatis. C'est un des membres de la famille Sforza, représenté ici en dieu Mars. Et vous voyez qu'il n'est pas le premier, enfin, vous voyez qu'il est l'un des premiers à avoir inventé ces chaussettes à tête de lion que nous avons vu faire fortune dans les décors maniéristes que je vous ai présentés ces semaines passées. Alors vous voyez, de l'allégorie à cette mascarade emblématique, il n'y a qu'un pas, bien sûr. Et de la mascarade emblématique à la fête emblématique, il n'y en a qu'un autre. Donc, vivant au milieu des dieux, se déguisant en dieux, les princes vont finir par emprunter aux dieux leurs arts. Voilà un concert princier, peint d'ailleurs par les tout grands peintres décorateurs du temps, c'est Niccolò della Patte, qui fait partie aujourd'hui du décor de l'université de Pologne. Autrement dit, avec ces trois tableaux que je voulais vous montrer, dans le goût qu'il a pour l'allégorie figurée, le prince du XVIe siècle finira par avoir le besoin de s'y intégrer. Il s'y intégrera d'abord comme figurant, mais il s'y intégrera plus vite comme acteur. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler de théâtre. Car en effet, tous ces princes de la Renaissance et du maniérisme, qu'ils soient italiens bien sûr, mais qu'ils soient aussi français, qu'ils soient même anglais, qu'ils soient allemands, qu'ils soient d'où vous voulez, tous ces princes ont tenu au fond à vivre ce vertige de la fiction qu'est le vertige du théâtre. Et nous possédons de par toute l'Europe une quantité de témoignages sous forme de gravures, sous forme de dessins préparatoires, sous forme même parfois de peintures, immortalisant les phases des grandes représentations du temps. J'en veux pour exemple,
exemple ceci. Ce sont des projets de costumes pour une mascarade donnée à Florence. C'était le triomphe de Scipion pour Ferdinand de Médici. Des costumes, donc. Au niveau du décor, il y a petits oiseaux, etc., etc. Vraiment d'une inventivité digne de ce que nous avions vu, aussi bien au château Saint-Ange qu'à la villa d'Est ou dans d'autres demeures que nous avions pu parcourir au moment où nous avions parlé même de cet art des grotesques. À côté des grotesques peintes, il y a aussi des grotesques stuquées. C'était aussi l'une des modes du temps que d'utiliser, comme dans l'Antiquité gréco-romaine, le stuc pour jouer avec les grotesques. Et nous avons tout un petit appartement dont le plafond est fait de ces rinceaux floraux étonnants, parsemés de ci, de là, de têtes curieuses parmi lesquelles on reconnaît la méduse, le soleil, la lune, têtes emblématiques qui viennent encore ajouter au mystère du mythe tel qu'il est répandu à travers tout ça bien. Et enfin, ça, j'ose avouer que c'est mon appartement préféré, il y a, c'est la mode aussi au XVIe siècle, la chambre de verdure, dite aussi chambre de fraîcheur. Vous vous souvenez peut-être, parce que j'y avais fait allusion une de ces semaines passées, l'instigateur de ces décors de fraîcheur avait été Léonard de Vinci, à Milan, et depuis ce premier modèle avait été sans cesse imité. Vespasien Gonzague a lui aussi cet étonnant kiosque de fraîcheur, cette fois-ci marqué de lierre, semble-t-il, mais vraiment d'une très très grande qualité de peinture. Regardez de près comme de loin, l'ensemble est à la fois d'une très grande subtilité dans les transformations des verts, le passage de ces verts au gros, en passant par tous les bruns, et en même temps, si vous voulez, dans la rigueur même de l'ensemble. Donc vraiment, pour ceux d'entre vous qui écoutez cet art ornemental du XVIe siècle, qu'il appartienne au cycle épique, au cycle dynastique ou au cycle ornemental, Savionetta sera, je crois, une heureuse découverte. Mais il y a encore une dimension complémentaire. Cette dimension, c'est celle des plafonds. Je ne voulais donc pas quitter les palais sans vous montrer un choix de ces plafonds que Vespasien Gonzague amoureusement se faisait peindre, marqueter, voire tailler dans les bois les plus précieux et même parfois, dit-on, dorés. Voilà par exemple un plafond de grotesque pour l'un des petits salons. C'est le salon où vous avez vu tout à l'heure les épisodes de l'Énéide. Alors vous voyez bien que Vespasien est beaucoup plus proche de ce décor ornemaniste dans lequel sa fantaisie, souvent morbide d'ailleurs, trouvait son plein épanchement, que dans le cycle convenu de l'histoire d'Énée dans lequel il semble s'être autant ennuyé que ses artistes. Voilà donc, plein d'imagination, ce décor du salon dit des intailles, car en effet chaque compartiment reprend le dessin d'une pierre gravée à l'antique. Mais les plus beaux des plafonds de Savionetta sont des plafonds de bois. Et si je vous en montre plusieurs, c'est que trop souvent dans les résidences de l'époque, ces plafonds de bois se sont abîmés. Savionetta irait. Et fait en tout cela, bien entendu, il y a les arbres de Vespasien Gonzague que vous découvrez ici pour la première fois, mais que nous redécouvrirons, bien entendu, de lieu en lieu. Rien n'y manque, vous voyez, colonnes, chapiteaux ioniques, colonnettes, colonnettes torsadées, brûle-parfum, pot pourri, plinthe, tout y est, même les triglyphes à l'antique. C'est par excellence le répertoire de l'ornementalisme du temps. Et vous voyez que, tout au long de la salle, ça c'en est un détail, on a peint une fausse colonnade, donnant sur une fausse loggia, ouvrant sur une fausse ville. Et bien entendu, vous voyez s'ériger de droite et de gauche de grands bâtiments, au milieu desquels trône l'obélisque d'Égypte, qui à la fin du XVIe siècle semblait déjà l'un des symboles essentiels de la grandeur et du pouvoir. Pour animer cette architecture extrêmement épurée, et elle aussi extrêmement austère, il y a bien entendu des invités. Ces invités, ce sont les muses, les demi-dieux et les dieux. Le vide, appelons le biographique de la salle, était comme exorcisé par l'omniprésence de figures allégoriques qui, un petit peu michel-angélesque, un petit peu raphaélisante, très jules romanisante, mais avouons bien, de qualité très moyenne, viennent comme ça planer au-dessus de vous. Il y a des quantités de ces figures féminines, il y a aussi, et par multiplié par 10, des quantités de petits divers dont, avec ce sens de l'humour très particulier du XVIe siècle, l'un même a l'irrévérence de vous faire pipi dessus.
puis en dessous, il y a habilement tracé un grand décor de marbre marqueté sur le plat parfait du plâtre, car une fois de plus, il ne s'agit surtout pas de jouer l'illusion. Vespasien Gonzague est rigoureux jusqu'à l'extrême. Les murs de cette salle gigantesque sont aussi plats que ses rêves. Et là-dessus, on greffe donc le faux semblant du décor à fresque dont vous avez ici l'un des éléments. Maintenant, nous allons parcourir les salles de ce palais. Dans les salles de ce palais, vous allez découvrir un décor peint, c'est une évidence. Et dans ce décor peint, vous allez découvrir tous les grands cycles auxquels notre étude depuis quelques semaines nous a habitués. C'est ainsi qu'il y aura un cycle épique racontant les grandes heures de l'Antiquité, les grandes heures des demi-dieux et des dieux. Il y aura aussi un cycle dynastique, c'est-à-dire un cycle qui raconte les grandes heures de la vie du Seigneur. Et autant que possible, l'un se mêle à l'autre. Mythologie et histoire s'entrelardent de façon à créer une sorte de flatteuse compromission entre le réel et l'irréel. Et enfin, un troisième niveau de cycle, Gonzac, qui recueille le petit et l'élève d'abord à Fondi dans un petit château, puis à Naples où elle est en service. Julia Gonzague a laissé une trace extrêmement importante dans l'histoire de la culture de son temps, car elle était l'une des plus effroyables, l'une des plus redoutables et l'une des plus efficaces humanistes qui soit. Poétesse, grammairienne, rhétoricienne, j'en passe des meilleurs, elle était l'idéal de ce qu'on appellera quelques siècles plus tard le pas bleu. Toujours est-il que Julia Gonzague, avec beaucoup d'acharnement, sinon de génie, a su donner à ce neveu une éducation hors pair et une culture hors pair. C'est important, vous verrez pourquoi. Puis, lorsqu'il a grandi en force et en beauté et qu'il est arrivé à l'adolescence, il a fallu placer un Gonzague, ça se met pas n'importe où, même s'il n'a plus de papa et plus de maman. Donc, il faut le bien placer. Julia Gonzague, avec une ténacité digne d'éloge, a réussi à en faire un page à la cour de Charles Quint. Et là se dessine tout le profil de la vie de Vespasien Gonzague. Ce sera une vie plus espagnole et plus impériale, si vous le voulez, que italienne à proprement parler. Page à la cour de Charles Quint et bientôt compagnon servant de l'infant d'Espagne, Philippe, le futur Philippe II, au château de Valladolid. C'est là qu'au fond s'est forgé, de l'adolescence à l'âge mûr, la nature de Vespasien Gonzague, c'est-à-dire une nature d'Espagnol, je le répète, plus que d'Italien. Et au XVIe siècle, vous savez ce que ça veut dire. Un tempérament de feu, une rigueur d'acier, une intransigeance de béton, même si le béton n'avait pas encore été inventé. Cet homme tranchera toujours sur ses cousins italiens par cet aspect ibérique, si vous le voulez, qui sera le sien. 1541, c'est son premier mariage, et je vous signale d'ores et déjà qu'il en aura trois. En 1549, il épouse une jeune femme ravissante d'ailleurs, qui s'appelle Diana di Cardona, c'est une italienne, mal-née, si mal-née d'ailleurs que le mariage est secret, mais très joli, ma foi. À peine marié à cette créature ravissante, il commence son métier. Son métier, c'est celui de tous les cadets de famille, c'est les armes. On va s'illustrer dans les armes. Alors on le retrouve guerroyant au Piémont, on le retrouve guerroyant aux portes de Parme, on le retrouve à la bataille de Volpiano, on le retrouve, bref, conquérant partout, Lauriers, gloire et triomphe, jusqu'au moment où, après le premier bonheur qui a été le premier mariage, c'est le premier drame. Il y a eu trois mariages, il y aura trois drames, vous voyez le film que ça composerait. Le premier drame est une simplicité renaissante, ayant découvert qu'il était un mari trompé à rien. Oh, elle n'amène à rien, elle ne va nulle part. C'est simplement, comme la tradition des grands seigneurs du XVIe siècle voulait, une pièce de représentation. Simplement. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut recevoir. C'est là qu'on peut danser, c'est là qu'on peut dîner. Mais dans l'austérité des derniers jours de Vespasien, cette pièce était une sorte de conservatoire de souvenirs qui est toujours resté vide. Et au fond, c'est le décor qui lui tient lieu de vie, si vous le voulez. Le décor, en effet, comme le goût du maniérisme le veut, est un étonnant décor en trompe-l'œil que vous allez découvrir, voilà, prolongeant encore
a des arches qui prolongent les arches, il y a des perspectives ouvrantes et de droite et de gauche sur une sorte de sapionetta irréelle. Et fait en tout cela, bien entendu, il y a les âmes de Vespasien, Gonzague, que vous découvrez ici pour la première fois, mais que nous redécouvrirons, bien entendu, de lieu en lieu. Rien n'y manque, vous voyez, colonnes, chapiteaux ioniques, colonnettes, colonnettes torsadées, brûle-parfum, peau pourrie, plainte, tout y est, même les triglyphes à l'antique. C'est par excellence le répertoire de l'ornomanisme du temps. Et vous voyez que, tout au long de la salle, ça c'en est un détail, on a peint une fausse colonnade, donnant sur une fausse loggia, ouvrant sur une fausse ville. Et bien entendu, vous voyez s'ériger de droite et de gauche de grands bâtiments, au milieu desquels trône l'obélisque d'Égypte, qui à la fin du XVIe siècle semblait déjà l'un des symboles essentiels de la grandeur et du pouvoir. Pour animer cette architecture extrêmement épurée, et elle aussi extrêmement austère, il y a bien entendu des invités. Ces invités, ce sont les muses, les demi-dieux et les dieux. Le vide, appelons le biographique de la salle, était comme exorcisé par l'omniprésence de figures allégoriques qui, un petit peu michel-angélesques, un petit peu raphaélisantes, très jules romanisantes, mais avouons bien, de qualité très moyenne, viennent comme ça planer au-dessus de vous. Il y a des quantités de ces figures féminines, il y a aussi, et par multiplié par 10, des quantités de petits divers dont, avec ce sens de l'humour très particulier du XVIe siècle, l'un même a l'irrévérence de vous faire pipi dessus. Puis en dessous, il y a habilement tracé un grand décor de marbre marqueté sur le plat parfait du plâtre, car une fois de plus, il ne s'agit surtout pas de jouer l'illusion. Vespasien, Gonzague et Rigoureusque, à l'époque où nous avions parlé même de cet art des grotesques. À côté des grotesques peintes, il y a aussi des grotesques stuquées. C'était aussi l'une des modes du temps que d'utiliser, comme dans l'Antiquité gréco-romaine, le stuc pour jouer avec les grotesques. Et nous avons tout un petit appartement dont le plafond est fait de ces rinceaux floraux étonnants, parsemés de ci, de là, de têtes curieuses parmi lesquelles on reconnaît la méduse, le soleil, la lune, têtes emblématiques qui viennent encore ajouter au mystère du mythe tel qu'il est répandu à travers tout sa biote. Et enfin, ça, j'ose avouer que c'est mon appartement préféré, il y a, c'est la mode aussi au XVIe siècle, la chambre de verdure, dite aussi chambre de fraîcheur. Vous vous souvenez peut-être, parce que j'y avais fait allusion une de ces semaines passées, l'instigateur de ces décors de fraîcheur avait été Léonard de Vinci à Milan, et depuis ce premier modèle avait été sans cesse imité. Vespasien Gonzague a lui aussi cet étonnant kiosque de fraîcheur, cette fois-ci marqué de lierre, semble-t-il, mais vraiment d'une très très grande qualité de peinture. Regardez de près comme de loin l'ensemble est à la fois d'une très grande subtilité dans les transformations des verts, le passage de ces verts au gros en passant par tous les bruns, et en même temps, si vous voulez, dans la rigueur même de l'ensemble. Donc vraiment, pour ceux d'entre vous qui goûtez cet art ornemental du XVIe siècle, qu'il appartienne au cycle épique, au cycle dynastique ou au cycle ornemental, sa Violetta sera, je crois, une heureuse découverte. Mais il y a encore une dimension complémentaire. Cette dimension, c'est celle des plafonds. Je ne voulais donc pas quitter les palais sans vous montrer un choix de ces plafonds que Vespasien Gonzague amoureusement se faisait peindre, marqueter, voire tailler dans les bois les plus précieux et même parfois, dit-on, dorés. Voilà par exemple un plafond de grotesque pour l'un des petits salons. C'est le salon où vous avez vu tout à l'heure les épisodes de l'Énéide. Alors vous voyez bien que Vespasien est beaucoup plus proche de ce décor ornemaniste dans lequel sa fantaisie, souvent morbide d'ailleurs, trouvait son plein épanchement, que dans le cycle convenu de l'histoire d'Énée dans lequel il semble s'être autant ennuyé que ses artistes. Voilà donc, plein d'imagination, ce décor du salon dit des intailles, car en effet chaque compartiment reprend le dessin d'une pierre gravée à l'antique. Mais les plus beaux des plafonds de Savionetta sont des plafonds de bois. Et si je vous en montre plusieurs, c'est que trop souvent dans les résidences de l'époque, ces plafonds de bois se sont abîmés.
voire même souvent ont brûlé. Nous n'avons que très très peu des grands plafonds de la Grande Renaissance. Sapionetta est donc une rareté. Et il faut signaler au passage le mérite de ces